Τώρα να τα το ιτφαρή ρίρα, τι είναι η πιπή. Η ώρα να το μότια μάιτη χέα ετενούν α, ε μαρουρούν ο τφαρή ρίρα, τι είναι η τίτα ου μανχίνη ρίρα. Για μου ε ατατώ, τι είναι η πιπή, απίνω, τε φαότι ρόρα, ε ατατώ τα πραχύπα. Μαρουρού μαϊτέ. Η ώρα να ετμονού πριτιτίνη, η ώρα να το μοφάτρε χέου. Maruruno te amuira mai te enei peupeu no ta tato rurura. Iorana to at mutamari. Maruruno te haret amai i te enei peupeu e paror i te parau e fautihiara no te whaterei to tato whenua. Pari mei o tou e narotono atu te iei te reo teiti. Whaituitui te hapi mei to tato reo e reo no to tato whenua. Iora nā tō atu whea e mate te mene i nā rote te rawe o te rorowira. E inha e rawe atu a te ie, i anhenhe te reira o te tata atiti ai te ienei au, e whāro i tata tō mūprau. Iora nā tō atu mūpapa e wea. Marurui tō tātou whare reira. Mesdames, messieurs les journalistes, je vous salue bien bas. I roto i tata tō rurura i te pēpēu, Toi inoa te tei tapura uhupa, te veisho hia mai. Te ie ta tātou tumuprau no te ienei pēpēi. Houra tātou a tuatapapai te ienei tumuprau, uani mei te monopritititini, te teim a teimiti, pahiti me oiei te teimano, e te monopritititini, te aoera. Pretiteni no tapurarhei, mong te e patreheu, te e tuahine, no tapurarhei, mong te maria rehapira, te noa tui tuira tira o te parahe nei, rutui tatatu nei wahei rurura, mong papa iwea, te noa tu tinora e huipa, whari mai tap o no te arufa, i tō tatu nei wharerira i te ie pepei api. Wahin aro oe pretiteni mit pe whari mai oe. I mua i te mau mana, te iwobo hie cheu frani i te ipepeu rutu i dwea. Wahin aro oe tfaterera o tfenua e hor oa i tōna tāreni, i pahonongra a i te mau mana te puharahia i rutu i dwea o tfenua. A tei in e tō tātou motamari, Whao nei te toroa orome tuahapi tamari. I raro e i tfateret a te wharani. Te piti te parau no te moni tārhau hia. I roto i te pūwhare moni a te wharani, te AFD. E tēno atu te parau no te ie nā toru hanere. TRA ohipa mana tatatou i whaoti. Rutui te moteime tātou i tua tapapai, tātou tapura fofa wharawai no te imatahiti. I mua i te mō mana o te iwobohia e te mō wea i te ipupui. Ai tāro atu te mana o te whaterera o te whenua nenhe e whae mu oreno. No te mea atei, te parau no tō tātou ananhei. Inia huara te imo toroa. E amuhi ara tō tātou mō tamari. Wahin aro te whaterera o te whenua whaite i tōna man o tūtu ore. No te paturura i te man o te ina ora e. I te eitara tōroa o rome tuahapi tamari. Ti tauhi e prono te apari pārira i a rātou. I te eitara tōroa i a tupu te rira rutu i tō tātou whenua. I hapa i tātou hare apari i a tātou. In e te parau no tō orome tuarai tō tātou mō tamari i te whenua tāpone. Harmai tu e rawe tō hipai i rutu i tō tātou whenua. Aurera hare tātou hapari a tātou rutu i te teitu whenua. Ioti harmai e rawe tā tātou hipa. In e te tei whenua e atu. Me e roa te whenuri rātou mō tamari. Me e roa tō rātou peorora. Eitei e mhana. Rutu i te i hepe toma.
e tuo ora mo whenua ti ama o te ia tuha apati ti whato tatu. Ia imi tō teo whenua, tēnō atu tō teo wharani, ia tamaru tā au, ia nenhe, te apraura e tupu ahu aro tu teo roto ia rauo. Aro o pre titeni e prau ia tatu, whamano anō ia tatu. Mana pae hau tō tatu mo tamari ere wai, whenua taratoni. Nō te ie, Jeu du Pacifique, wa whātupu woi te tei whareri ae mō papa iwea, nō whaiter ae teo whrani e, wa tē te tahiti rā, in e te ie whiwhi. E whiwhi hei hei roa rutu te parau o whātere rā tō e whenua. Whiwhi hei hei roa. Ere whiwhi rei, me hei hei roa. O whaitehi e mua i te wea, te tahiti rā o te mana o whātere rā o te whenua. E ua hare roa i te teimo mana o paraut ae, mi te peu no atu e ono ono teo whrani, e whawhiwhi tātou i te parau no te prote rā. Tērā tō tātou whātere heu nana e ti au i te parau no tiapi rā rutu i tō tātou whenua i whenua taratuni, o ni niu mai a au no te paraut ae rutu i tsoe are e piti hora. Rātou tapa ei, e wharere rātou i pritenio teo re pupurita. Nā o taro i ana wharere, i ni ai paho no rahi o tuai, i mira trawe i a tamaru, e ua wharere, ua wharere. E ua rawe i pritenio teo re pupurita te tei whaoti rā, ma te iani rā i tōna teo teo, bionka reli, i mi o e trawe i a matara tau a whiwhi rā. E whiwhi hei hei roi te rira. Ai te o mana o, e whiwhi i whaterer au te whenua wharani, mi te peu e whare i tātou te iani rā. I mua i tra prou api i tai mai ei, i tere mai te i tātou ohi parutu i te tura rā. Tātou i ehi nāro nei. Tere mai te mai tei. O amuhi e trewa wharani, ai te hoi hape apea rā i whātupuhi. Mā te ti aturi rā e, ia tē tātou i tsope au te i e whiwhi hei hei roa. Hei hei roa. E matarai taua ohi pāra. E ua whaoro mai. Ua whaoro mai. Ua whaoro mai. I nan hei rā, ua wharere i tomitara te teet mō papa i wea, no te whaiter ae teet mana a teo wharani. A tei, e tia i tātou i te whaotira tāwa. E miti pe i te whaotira tāwa e te ona e tuati. Mana o whaotia teo wharani, e tū mātou te ie, te rira rutu tō e mai tira ui a mana. E hā tō tātou mana. Uhi pa hei hei roa i te rira. Rutu i te parau no te whātupur a, i te aparaut a, mi te e tūru. Hare tātou e mua tāwa, e tia i tātou i tāwhautira tāwa, tāra tāparura. E mitipeu no atu e tāwhautira tāwa, e te tu ati tō mātou mana, e tū mātou i te rira rātou i tmai te tāwhautira mana. E kumā, te hama i rā rātou i a tātou. Me hono tātou te iohipa mi te rira tāwhautira tāwhautira. Tēnā o te tūohi a maira, tō pihoro i a tātou, imi paitarawe e i a tupu i tāparura. Te pāono i ara mai rā, i a tātou i te pēpēi, nā rira, hare mua i tāwa, nā tāwa e whaoti. E miti pēu e, ai te tāwa e whaoti, miti au tā mātou e mana o nei, i taua teime, e whaohipa mātou i tīra waha, hitu ahuru mapiti tō mamha, no whātupura, mai tīra awira mana o, trahuru mai tīra awira mana o, ai te tātou mana aruto. Nā rātou e papa i te uira, nā rātou e whanho, hei te tātou mana rātou. Hare no mai rātou e whaite tātou tratai o mana e tupu e mai tira. Me tano ana i te rira. No tātou mo tamari. No tātou mo tamari. Tat whātere rā o te whenua hin aro nei, mi te e tūru. Whare ino ana i tātou, te e whāhur a ehi o ara. Roto i rātou i tātou, ti auraro mai mai te tau mai e tēroa mai, i te temei, pārhei mai e te i e ti api, vice-rector roto i tō tātou whenua. Aure rā,
Hare hoa ni whanora o te ture, ea whanora o te ture, mi te ituru. Mi te peu ngā chauwhrāni e o whau, whari, ia tonohi e rā tōru tū te Nāporo e hā o tō tātou planeta, no te ara mōna whrāni. Tra no tāono rā tamato i nāro nei. Mi te peu te praunei te o whrāni te rira whārā pai tō tātou motamari. Ia pai e tora i a rātou e tatau, e ia manui ana e rātou, aeri e whahe pōi. E te e mātou e whāri te rira. Harmai te piti o te mana, te praunot AFD. Ei, e red muni tauturu, e muni tārhau. E red muni tauturu, e muni tārhau, e whahau mātou, te tōta. E tēno atu, te whahau ipara o tau a tōta, te teime o tau a tōta. Ere me titau noa i te e moni mi te rira tiuru. Ia whāro o whātere rao te whenua i te pahono rā te uwhrani, e aura e moni tauturu te rira. E eret moni tauturu, e moni tārhau. E roto i te whāu rā o te tārhau rā, e piti ani rā o te uwhrani a tei, Ia rawe i tfatere rao te whenua, i te tei whanho rā, no te whaiti tia maua rā. I te pēo te mō puhui pātheu, roto ane te mō puhui pātheu iso, aure rā, roto te mō teie te ātheu, i rā pē au ia, i te mō puhui pātheu. E ia tē, tara prau, i roto i te rima o te preteni no tāporarhei, te toru ahuru no tiunu no teie mateti. E tōpea, ia riroho e whauti rā roto i te aporarei, wō titu wei. E ti ani mai e tamatohi nāro, e te huru o te teura o te ie prau, tātou e whātē roto i te rima o te preteni no te aporarei, nāro mātou trapeni, nāro mātou trahohoa, nāro mātou trahuru, aita te rira. E teie mana, te prau nei e, a, Ai te mātou e tūf ahaura i trahuru whanora tautou. A prou mai pai nā mua. Ia pai auti tohipa, a ria harmai prou e, ei mohi a mātou. Ai te mātou tū ati ahau trahuru whanora tautou. O prou mātou i a rātou, te wērat mo tau i rā nenhe, e riro, rotoi te teime mai ti hei, teia opua rā, rotoi te apura rei, nenhe te teimo tau i rā e riro i te tupu. E ua tupu, ua eritihi e tino tivi. Ai te tfatere rā o te whenua nenei whāri i tera huru, arata i rā o te uwhrāni, no te mea tiruto tātou i te parau, no te i e papature tātou e whātie tie noa nei te parau no otonomi. Tihi aro te otonomi i tera waira. Tihi aro, te ui rā o i tātou. Tihi aro tera otonomi. Whātere rā otonomi, whātere rā otonomi. Ta eze i kia le wāhiti no arartu i tāna rādio. Tihi aroa tōna waira, te ui rā wai tātou. Tō tātou anan hei, ini e tra huru ti ar a e moni tārhau. Ere moni tauturu, ere subvention, moni tārhau. Tā tātou ti ara anan hei, mau tira mitpeu e aitero ap ahoi a tātou i te ie huru e taetara, e eo i tātou i te tei wharemoni. Wharu e tātou i te wharemoni a te heu. Pare tātou i rutuit mo wharemoni ere nā te heu noa tua. Te tei me hau atu ona i te ie whanohora a tā te heu. Mitpeu ra e taetara atoi mitera. Te ui rawa i tātou, e riro tātou anan hei, i te wharu e tātou. I te e mataiti, ei te ho e pre-AFD, tāt o te asnoat pre-AFD, tāt whenua i te pre-AFD. Tramuni tārhau tāt AFD no te e mataiti ere, no te mataiti piti tau atini ahuru mā oe, no te mataiti piti tau atini ahuru. Ai ti rāro ait mō whātereit ataito, i āmo tā rātou hopo ia, Tēroa tōpear a iharmai mātou e puoi oi nā muri. I te e mātaiti e te pre-AFD,
tatseu whenua. Pene e, tat OPH pa, rtu teie whanora contract proje, tatseu whenua, zero. E te whiruri nei matau, heat fuf a, ya tamau a tatu. E are anit muni rtu it whare muni a teo fran. Heat o tatu fuf a. Trahuru whanora, tatu hare mua. Ai te tatu hare mua. Te prau no teie toru hanere, TRA, mana, rawe ohipa, rutu te tapura fofa awharawai no te imateiti. Oite anei tatu i te prau no te i hanere, TRA, rawe ohipa, tatatu i maiti rutu i te anei a toru hanere. Te i hanere, te weira hanere, TRA, whearawe ohipa tara o te orefa anahohia, rawe ohipa teo, orefa anahohia i te whaterera a teitu. Tō mātou tēr āmai ni tfātere ti tau ia auwhau te e mō whea. Nā whea. Rau tātou ia rātou ei te mātou i te hare tū e wharere i tfātere a teito. Aita, āmō tōpō ia, auwhau ia rātou, imi trawea, ia nonho mai te i tā rātou whanora. Ere nō rātou chape, o arme rātou rā ia ni tōhipa tfātere a teito, o prou rātou e o tsepu. Hanere ia, ni tra toru hanere. E te piti hanere tōera. Te prau ia, no te ie moti ar a teo whrani, o whonei teo whrani, i arawe rātou te ohiparu tui tō tātou whenua, te tei tūha atara. Te piti o te tūha, te prau ia no moti ar a rutu it mo taura amanurewa, o i te tātou, o huri whanora. O ha mau teo whrani ho e tute, no te horoara mai rutu it awhata teo whenua, i anene teo whenua e tamau no ia, i te auraro, i te parau no te parurura, i te ora, i te mō tau amanurewa, tā tātou. Arme e i te whare mai, te weire mō tōte, mō tūtū mai, roto i whāura atoa o te irawihia, ti tauhia, e ti ararawe uhipa, tamau, roto i tapura fofa auto tātou whenua. E harme i te turu, te parau no te i mō tino tā tātou e whahau mai, roto i pua uhipa atiau, tei pārhei nei, roto anei mo tei e te ateu, aurera roto te tei mo whanor a rapeu ateu. Ea ia tateu whrani nā rōra. E ti avaru tātou tei e toru anere, whearawa uhipa? Oi te tātou, ia hauti tātou, hoi tinorawe uhipa, e mā tātā te maui. Te hoa whai puipo, aurera te hoa whai anei, e tēnā tū Natamari tō piti atua, e mā tātā, ho e ia tino rawe uhipa. Te ie, te prau nei tātou i te prau, no te toru hanere, tino rawe uhipa. E rutu i te mana o tōmitera teitei, e te nāora rātou, ti tahu ia tiawaru, te ie toru hanere, whiara uhipa. Hea tō tātou mana o. O tōno mi anei tā tātou, aroera aita. Aurera whātere no tātou. Tei ona e tātou rutu dwe a te nāo meira teo whrani nāo o tau, nāo ia tātou. Haramai tātou ni te prau. No te whia tā tātou hi nāro nei, no te whaiti cha mauara. Whaiti cha mauara. I roto i te pū ohi pātheu, prau e deparanti sipe a la retret. O mā. Ere, nā mātou ia ni a rātou. Nā rātou ia ni mai whātere rāo whenua. Nene, ara, mi te e tūru. Atei, niniu mai tō whrāni, nene mātou subvencione. Whārere nahi e te tia no tā AFD iunei, te nāo mai rā AFD, nene mā, oinei nei teo whrāni, tōroa hoi ompra. No te tautururu ai autou. Ei, ei ti mātou ia ni rātou. Nā roto tō rātou ono no rātou mātou whātai rātou i tō erata, no te prau rā e, mi te pēu te hināro nei o tō oi nei nei mātou, nari rā ia. Whāro turu e te matahara tui te awhatatea tā nāpōra tō mitara te tei, te nā o rā ona nā tātou ia ni rātou. Ai te tātou ia ni nei rātou.
Voilà, Monsieur le Président, je souhaitais en réaction d'abord me positionner. Il y aura un débat dessus, ne vous inquiétez pas. Reposez-vous. Je voulais simplement, Monsieur le Président, positionner le gouvernement face aux déclarations de l'État, du représentant de l'État ce matin dans la presse, sans avoir aucunement pris contact avec le pays hier, avant d'organiser cette conférence de presse, à la demande certainement de l'État lui-même, le haut commissaire a donc fait le point sur trois sujets importants et d'actualité. C'est le point d'abord sur la réponse à donner par rapport à la problématique relative aux stagiaires, aux élèves professeurs stagiaires du pays, qui a défrayé la polémique il y a quelques semaines de cela. Par rapport également à l'emprunt AFD. Et enfin, par rapport aux 300 postes que nous avons inscrits au budget collectif de la semaine dernière pour permettre la régularisation d'un certain nombre de situations d'emploi au sein de l'administration. Vous dire, Monsieur le Président, que la problématique des stagiaires est une problématique qui n'aurait pas dû prendre la tournure que fait prendre aujourd'hui dans ses déclarations le représentant de l'État. Lorsque, avant leur départ aux Jeux du Pacifique, le départ de la délégation polynésienne aux Jeux du Pacifique, nous avons tenu une conférence de presse avec le ministre de l'Éducation sur ce sujet, j'avais effectivement, au nom du gouvernement, un peu haussé le ton pour dire à l'État que pour un problème aussi mineur que celui concernant les stagiaires, il y avait certainement une autre solution que de se cacher derrière des textes ou de faire du juridisme. C'était du moins mon positionnement, mais avec bien entendu le temps qu'il fallait pour dire à l'État que ça suffisait comme ça. Et ce faisant, le ministre de l'Éducation m'avait proposé peut-être d'aller au-delà. D'aller au-delà en essayant d'organiser quelque chose lors du défilé de la délégation tahitienne aux Jeux du Pacifique. Et avant son départ, je lui ai dit dès qu'il arrive en Nouvelle-Calédonie qu'il m'appelle et qu'il me tienne au courant de la situation et qu'il fallait absolument, avant le défilé, rencontrer le représentant, Monsieur Sarkozy et puis sa délégation pour les tenir informés de la situation de ce petit problème, qui n'est vraiment pas un problème d'État, qui est un problème de personne et peut-être un peu d'ego et d'orgueil. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés, le ministre de l'Éducation m'a appelé, il me dit, dans 2 heures, nous rencontrons le président de la République et dans 4 heures, nous défilons. Alors j'ai dit, très bien, je vous encourage à calmer les choses, à trouver une ouverture, à essayer de discuter avec, vous ne pouvez pas avoir plus haut représentant de l'État que le président de la République, pour essayer de lui faire comprendre que une petite broutille comme ça ne devrait pas venir semer la cizanie entre les relations institutionnelles du gouvernement de la Polynésie et de l'État. Et donc ils se sont rencontrés. Et sur instruction du président de la République, son conseiller à l'Élysée, M. Biancarelli, s'est engagé devant le ministre de l'Éducation, dès son retour à Paris, de rencontrer Luc Chatel et toute sa délégation, ses collaborateurs, pour pouvoir trouver définitivement une porte de sortie par rapport à ce problème. Et face à ça, j'ai donc proposé au ministre de l'Éducation, que si les choses pouvaient rentrer dans l'ordre de cette façon, on peut effectivement, sur la foi et l'engagement et la parole du conseiller technique à l'Élysée de Monsieur le Président, calmer les choses et attendre
finalement, quelle réponse l'État va donner ou quelle solution l'État va donner à ce problème. Et donc, les choses se sont passées le plus normalement du monde. La délégation a défilé avec le drapeau, il n'y a pas eu d'invective, il n'y a pas eu de paroles déplacées, il n'y a pas eu de gestes déplacés. Les choses se sont déroulées calmement, dans la paix, dans le respect. Devant les paroles rassurantes du représentant de l'État, c'est-à-dire le collaborateur de M. Sarkozy. Et après le défilé, M. le ministre m'a encore appelé, il m'a dit « ça y est, les choses se sont passées ». Et je lui ai dit « dans la suite des événements, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « demain matin, nous rencontrons M. Biancarelli pour mettre à plat le problème ». J'ai dit « ben c'est bien, les choses se passent bien ». Ils se sont rencontrés le lendemain et M. Biancarelli s'est engagé à rencontrer donc l'équipe de Luc Chatel pour régler définitivement ce problème. C'était pour le gouvernement de la Polynésie une affaire réglée. C'était une affaire réglée. Et voilà-t-il pas que, sans nous prévenir, monsieur le représentant de l'État en Polynésie hier fait une conférence de presse, c'est son droit, c'est sa liberté, mais sans nous prévenir, à un moment où les pays du Pacifique insulaire, les États insulaires du Pacifique, rappellent les deux parties à renouer le dialogue. Ils l'ont dit la veille de la conférence de presse, à la télé, dans les médias. Tout le monde a entendu renouer le dialogue. Et voilà que ce matin dans les médias, on nous dit une chose. On nous dit une chose. Monsieur Fritsch, on nous dit une chose. Pour nos enfants stagiaires, écoutez, on va attendre la décision du juge, d'accord? Et si on n'est pas d'accord avec la décision du juge, on vous fout un référendum sur l'éducation. Ah donc, on va attendre la décision du juge, ensuite on verra. Mais on m'a donné pour instruction, s'ils veulent, on leur fait un référendum. Voilà. Mais le référendum, c'est celui de l'article 72-4 de la Constitution. C'est la seule consultation qui ramène tous les leviers entre les mains de l'État pour la construction de la phrase qui va être posée, la question qui va être posée, pour l'organisation, pour la façon de conditionner les mentalités avant le scrutin. Et peut-être que ils vont nous autoriser à partager avec eux le choix de la date, pour ne pas trop nous vexer. Mais en tous les cas, voilà la réponse que j'en tire. Alors, sans même m'être concerté avec les stagiaires, j'ai vu qu'hier soir, ils ont été faire le piqué au portail du haut-commissaire. Et ils ont été faire savoir leur indignation. Alors, je suppose qu'ils ont dû avoir été informés, peut-être par un autre canal, celui de leur propre ministère, de Luc Chatel, où j'en sais trop rien. Mais en tous les cas, le pays, rien du tout. Rien du tout. Même pas de contact pour vous dire, attention, je vais tenir une conférence de presse. Voilà les instructions que j'ai reçues. Je suis désolé, bon, ben c'est comme ça. Rien. Alors ce matin, on a été à la pêche des informations pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Je vous le livre. Le dialogue, dorénavant, va se passer via une décision du juge. Et si on n'est pas d'accord, on vous fout un référendum. Point barre. Enfin, les 300 postes budgétaires dont fait état, plutôt l'emprunt dont fait état le haut-commissaire par rapport à l'AFD, je veux simplement rappeler que ce n'est pas une subvention de l'État. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait l'amalgame entre subvention, dotation, emprunt. C'est bel et bien un emprunt de l'AFD. C'est de l'argent qu'on va rembourser, mais avec un petit salaire, une petite rémunération sur ce remboursement. J'emprunte un franc, je rembourse un franc et 0 centime 5. C'est un emprunt. Et dans le cadre de cet emprunt, outre
Les conditionnalités exorbitantes du genre vous allez vendre le boulevard Saint-Germain, etc., je ne vais pas revenir dessus. Ils nous ont posé trois conditions. La première, il faut absolument que le gouvernement présente un plan de redressement. Première condition. Deuxième condition, que ce plan arrive entre les mains du président de l'Assemblée de Polynésie au plus tard le 30 juin. Et dernière condition, ils n'ont pas fixé de délai, il faut au moins que ce plan de redressement fasse l'objet d'un vote à l'Assemblée. C'est tout. Ils ne nous ont pas défini la couleur du plan de redressement, sa taille, sa forme, sa grandeur, sa profondeur et sa consistance. Et voilà-t-il qu'aujourd'hui, je m'aperçois que, attention, effectivement, vous avez présenté un plan de redressement, mais pas tout à fait conforme à ce qu'on veut. Pas tout à fait conforme à ce qu'on veut. Alors écoutez, allons-y, faites le plan de redressement. Faites le plan de redressement, bon sang. C'est ce que nous disons à l'État. Faites-le. Faites-le, présentez-le au président de l'Assemblée et adoptons-le. Là, je ne crois pas qu'on aurait eu l'attitude de retirer TNTV, voyez-vous. Je ne sais pas, je ne pense pas. Que vous avez voté à l'unanimité. Mais en tous les cas, voilà ce que profilent les déclarations du haut-commissaire au sujet de la situation du déblocage de la deuxième tranche de l'AFD. Alors, à côté de ça, quand on vient dire des choses que je qualifie à la limite du mensonger en disant que nous avons demandé à l'État qu'il nous finance les départs anticipés à la retraite de personnel qu'on risque, dont on risque de se défaire, moi je dis que c'est un peu fort de café. On n'a jamais demandé à l'État de financer cela. C'est l'État qui est venu nous voir par l'intermédiaire de Paris directement et de l'AFD pour nous dire d'abord de Paris qu'on est prêt à subventionner le coût des départs à la retraite pour vous accompagner. On n'a pas trop prêté l'oreille parce qu'on avait voulu leur dire débloquer d'abord la deuxième tranche de l'AFD, ensuite on parlera du subventionnement. La confiance avait disparu, voyez-vous. Et voilà-t-il pas que le représentant nouvellement nommé de l'AFD vient nous voir pour nous dire finalement c'est plus tout à fait une subvention, c'est un emprunt. L'AFD est prêt à vous faire un emprunt pour vous permettre de vous accompagner dans le cadre de vos départs anticipés à la retraite. Alors nous nous sommes concertés, on s'est dit bon, un peu vexé bien sûr, on s'est dit bon, ben écoutez, on va aller à l'information, on va adresser une lettre pour savoir si c'est effectivement une subvention ou un emprunt. Et donc, on a demandé effectivement une subvention. On n'a toujours pas de réponse. La réponse qu'on a eue, c'est un haut commissaire qui dit, représentant de l'État, que le pays a fait la demande. Ben oui, mais pourquoi on a fait la demande? C'est sur leur insistance. Vous savez, la royauté, on l'a connue autant que les pays occidentaux ou européens. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. En vous tend la perche, vous la prenez, bon sang. On est tous d'accord, quel que soit le gouvernement. Et enfin, les 300 postes, les 300 postes budgétaires. Ben, c'est d'abord pour permettre de payer les postes rémunérés par l'État. Les postes rémunérés par l'État, et oui, comment on fait? On les exclut de notre budget? Les postes de sécurité liés au fait qu'il y a une taxe d'aéroport maintenant, et que la compétence en matière de sécurité n'est plus celle du pays, comment on fait? On supprime de ces 300 postes. La problématique de la santé et les postes de sécurité que vous avez défendus lorsque nous avons parlé du budget supplémentaire et collectif, on les supprime des 300 postes. Alors voyez-vous, c'est un peu tout ça qui fait qu'aujourd'hui, notre autonomie, celle que vous avez tant défendue, celle que vous avez portée du bout des bras, on ne sait plus quelle définition à donner à cette autonomie. Je dirais même peut-être
je dirais même peut-être aux représentants de l'État, ben chiche, si 300 postes inscrits au budget est trop pour l'État, ben donc on va les licencier. D'accord? Voilà. Non, mais on va les licencier. Je sais que tu es vexé, Jean-Christophe Bissou. Ton ego, je sais que ton ego a pris un coup. Voilà, Armel. Oui. Je sais que ça vous blesse beaucoup parce que je jette un pavé dans la mare de l'autonomie, mais en tous les cas, je vous ramène aux responsabilités du dialogue nécessaire entre l'État et le pays, qui doit commencer par une décision de justice et se terminer par un référendum. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Pour positionner le pays face à ces trois mesures qui ont fait l'objet d'une conférence de presse hier du représentant de l'État et dire que le gouvernement du pays est indigné vis-à-vis de la façon dont les choses s'opèrent dans le cadre du raisonnement que l'État entend mener en Polynésie face au renouement de ce dialogue nécessaire entre ces deux instances bilatérales que représente le gouvernement du pays et le représentant de l'État pour le compte de l'État en Polynésie. Maruru. Maruru Maitaete Mono Prititeni, Sandra Lévy Agami, Jean-Christophe Bissou, Gaston Floss et Armel Merceron. Qui a autour? Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord intervenir sur la forme qui a été utilisée par le vice-président, à savoir que nous avons un ordre du jour et que j'étais bien étonnée de constater qu'en pleine séance, on a droit à une conférence de presse improvisée sur les différents sujets d'actualité. J'apprécie pas du tout, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a des élèves qui sont là pour nous voir travailler sur un ordre du jour et qu'on se doit de respecter les règles. Et si on veut les changer, eh bien, on les fait voter. Voilà. J'aurais souhaité, Monsieur le Président, qu'on puisse proposer à Monsieur le Vice-président de s'exprimer, mais pas qu'il prenne la parole comme ça de lui-même. La deuxième chose sur le fond, Monsieur le Vice-président, c'est que quand on demande le divorce, il ne faut pas s'attendre à ce que le conjoint soit consentant. Et qu'on ne peut pas taper sur l'autre et après aller le voir en lui réclamant des choses. À un moment donné, il faut être cohérent. Vous qui dites justement, à très juste titre, nous avons un statut d'autonomie, il faut le respecter. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu respecter. Est-ce que la population a été informée et a eu un référendum pour s'exprimer sur la décolonisation? À aucun moment. Est-ce que la population a été interrogée sur un référendum sur le foncier, sur votre loi? À aucun moment. Quelle parole, quelle est la valeur de la parole que vous donnez quand il y a à peine 3 semaines, vous passez en direct à la télévision en disant « ne vous inquiétez pas, dans ce texte de loi sur le foncier, les terres vont être distribuées », alors que vous savez pertinemment que vous avez prévu la revente de ces terres au prix du marché. Quelle est la valeur de votre parole, Monsieur le Vice-président? Moi, j'aurais juste quelque chose à vous dire, c'est que quand on demande le divorce, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un consentement mutuel et qu'on récolte ce qu'on sème quelque part. Mais si vous voulez semer, semez ce que vous voulez semer, mais demandez d'abord aux Polynésiens leur avis. C'est ça la demande. Vous l'avez toujours demandé. Et maintenant que vous êtes au pouvoir, vous nous sortez cette litanie. Ah, l'État est méchant avec nous, vous avez vu ce qu'ils ont fait? À aucun moment vous êtes allé en métropole négocier avec Luc Châtel. À aucun moment vous avez demandé un rendez-vous à Nicolas Sarkozy. Tout ce qu'on entend, ah, non, lui, on ne le connaît pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de fonctionner? Et après, vous nous parlez de la Nouvelle-Calédonie. Quelle est la différence entre eux et nous? Djibaou, lui, il s'est déplacé, il est allé à Matignon, il a discuté avec la France. Vous, vous allez demander dans tous les pays du Pacifique leur avis, et vous n'êtes même pas foutu, excusez-moi du terme, de nous demander à nous, tous les Polynésiens, notre avis sur ce que vous faites. Vous entendez le répondeur le matin? Tout le monde vomit sur la politique en ce moment. Il n'y a pas de quoi en être fier, hein? Et après, on nous parle de démocratie? Mais qu'est-ce que c'est cette façon de fonctionner? Je ne comprends pas, moi. Je ne comprends vraiment pas ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez l'indépendance? Préparez-la. Allez demander à la population son avis, qu'il y ait un accompagnement. Pas demander à Pierre-Paul Jacques dans le Pacifique son avis. Ce n'est pas eux qui nous élisent. Ce n'est pas eux qui vont vivre en Polynésie.
C'est incroyable ce qui se passe. Et là, vous venez nous dire, l'État est méchant. Non, l'État n'est pas méchant. Peut-être qu'à un moment donné, il faut mettre, comme vous l'avez dit très, très justement, il faut mettre son orgueil dans sa poche. Il faut y aller, il faut faire son travail. Moi, ce que je regrette dans ce que vous venez de dire, Monsieur le Vice-président, c'est que j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de nous annoncer d'avance que c'est peine perdue, on ne va jamais y arriver avec ce gouvernement-là. De toute façon, si on va se planter, c'est de la faute de l'État. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Écoutez les gens dans la rue, ils n'ont pas l'impression que c'est de la faute de l'État ce qui se passe. Ils ont plutôt l'impression que c'est de la faute d'un gouvernement qui n'écoute pas sa population. Vous êtes en train de partir, voyager partout pendant qu'il y a des gens qui crèvent de faim en Polynésie. Est-ce que cet argent-là, de ces missions-là, n'aurait pas pu servir à des gens désœuvrés? À un moment où vous êtes en train d'augmenter les prix du logement de l'OPH. Moi, je ne suis pas fière d'être en politique aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maruru. Maruru. Jean-Christophe. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Sénateur, chers collègues, Yorana. Merci, Monsieur le Président, de nous donner la parole sur, je dirais, un déroulement de notre ordre du jour, je dirais, auquel on ne s'attendait pas. Mais enfin, on a pris l'habitude maintenant de ne jamais s'attendre à ce que le déroulé soit exactement celui qui avait été prévu. Enfin, nous sommes quand même contents d'entendre le représentant du gouvernement, en la personne du vice-président, nous donner son sentiment sur l'actualité politique. Et notre premier sentiment, après l'avoir écouté, c'est que manifestement, le gouvernement est aux abois. C'est une science de psychanalyse qui se déroule en ce moment, avec un gouvernement qui s'épanche sur ses problèmes de gouvernance à partir d'un certain nombre d'événements et d'anecdotes qui viennent d'être développés. Il nous a parlé, par exemple, du chantage au drapeau. Avec une déclaration de guerre qui a été faite au travers de la presse, que les gens ont bien reçue, pour fustiger l'État et pour annoncer quel serait le déroulement des programmes de nos sportifs en Nouvelle-Calédonie, en utilisant le sport comme arme politique d'une idéologie que vous soutenez et que vous souhaiteriez voir être accomplie. Et vous nous dites que cette intervention du gouvernement dans le monde du sport se justifiait amplement par la situation des Capétiens, de ces stagiaires, qui sont dans l'attente d'une affectation réelle et de connaître un peu mieux leur avenir au regard de leur statut. Nous sommes tous d'accord ici à l'Assemblée sur le fait que leur revendication est justifiée. Mais le résultat est celui qui compte. Et le résultat aujourd'hui, on le dit, est mauvais. Non pas parce que nous ne soutenons pas, parce que vous n'êtes pas arrivé à mettre en place un dialogue intelligent, compréhensible, avec l'État, avec le ministre de l'Éducation nationale, plutôt que d'utiliser les moyens de pression comme ce que vous avez voulu faire au travers du sport en Nouvelle-Calédonie. Et vous venez nous dire aujourd'hui vos impressions au regard des déclarations du haut-commissaire. Est-ce que vous pensez réellement que c'est ici que ce dialogue doit pouvoir s'établir? En réalité, non. Parce que nous sommes encore dans une guerre de tranchées et le résultat sera mauvais pour ces étudiants. Donc on vous encourage à prendre résolument cette affaire en main, à nouer les relations nécessaires avec le haut-commissaire ici, qui dans ses déclarations au préalable, rappelez-vous, était assez favorable à ce qu'on aille dans ce sens-là. Et manifestement, lui aussi a dû malheureusement recevoir des pressions par ailleurs, et ces pressions doivent pouvoir se dissiper. Vous nous parlez ensuite de la problématique de l'AFD et du prêt de 2 milliards de francs. Mais écoutez, vous mettez à défaut votre ministre de l'Économie et des Finances ici, qui nous a déclaré pas plus tard que la semaine dernière que la problématique était résolue. Reprenez les minutes de notre Assemblée ou le procès-verbal de notre Assemblée. Il nous a garanti le fait que cette affaire était ficelée
et que les emprunts qui étaient sollicités auprès de l'AFD et d'autres organismes de financement étaient obtenus, restaient bien évidemment à conclure pour le budget d'investissement de 2011. Nous avions posé la question, je crois que c'était Édouard Fritsch qui était intervenu pour poser la question sur le déblocage des 2 milliards de francs. À vous tous les deux, d'ailleurs, vous étiez sur le banc du gouvernement, vous avez cherché à échapper à la réponse qui était nécessaire pourtant à notre Assemblée. Et vous venez aujourd'hui en pétard, le terme, je pense, sied, pour nous dire tout le bien que vous pensez de la politique du gouvernement central et de l'Agence française du développement. Et pour nous dire, en plus, qu'il ne s'agit pas de subventions, il s'agit d'un emprunt, tout le monde l'a bien compris. Mais encore ici, c'est le résultat qui compte. Ce n'est pas vos états d'âme, c'est la situation du pays. Ce sont les opérations d'investissement qui sont à réaliser. Et qu'est-ce que vous allez nous proposer la prochaine fois? La révolution? Et nous avons l'impression que, parce que vous êtes, embarqué dans un processus que vous aviez souhaité, vous, c'est-à-dire en confrontation directe avec l'État, on voit les résultats, je dirais, de votre diplomatie, entre guillemets, et ce résultat va à contresens, je dirais, des intérêts de la population. Et enfin, vous nous parlez des postes en question. C'est vous qui avez négocié avec l'État la mise en place de ce plan de redressement. C'est vous qui êtes venu nous proposer ici ce plan de redressement. J'ai cru même discerner dans le débat que nous avions eu que Mme Bollier elle-même avait mis son tampon sur ce plan de redressement. Et vous nous dites aujourd'hui que l'État pourrait écrire le plan de redressement à votre place et venir le faire valider au niveau de l'Assemblée. Est-ce à dire là que le plan de redressement que vous aviez proposé n'était pas le vôtre, était celui de Mme Bollier? Mais à quoi vous servez au niveau du gouvernement si c'est le plan de quelqu'un d'autre? Et vous nous parlez des 300 postes que vous souhaitez créer au niveau du budget pour intégrer les personnels. Nous sommes, nous, favorables au maintien des postes de personnel. Mais en même temps, vous vous êtes engagé, vous, à réduire le train de vie de l'administration. La question du haut-commissaire, c'est de vous demander un minimum de cohérence. Soit vous réduisez effectivement les dépenses de fonctionnement au travers, je dirais, d'une meilleure cohésion des missions de services publics et d'une meilleure centralisation des moyens, ou alors vous nous proposez effectivement des créations de postes, auquel cas il faut les justifier quelque part. Donc nous sommes vraiment étonnés ce matin d'avoir ce type de discours où on a l'impression que vous êtes effectivement aux abois, mais être aux abois ne constitue pas des solutions en soi. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais faire comme déclaration préalable. Merci, Monsieur Jacques Hydrolet. Je remarque en tous les cas que nous avons modifié l'ordre du jour tel qu'il a été voté par l'Assemblée la semaine dernière et nous acceptons, nous souscrivons à la demande de modification implicite faite par le vice-président, à savoir une discussion générale sur les rapports entre le gouvernement de la Polynésie française et l'État. On pourrait se demander que vient faire l'Assemblée dans ce manque de dialogue. Quel est le rôle de l'Assemblée? Alors, c'est vrai que les sujets sont importants, bien sûr, que nous suivons ces dossiers. Le premier, c'est celui des professeurs stagiaires. Ce qui nous étonne, c'est que jusqu'au Taoui, il n'y a jamais eu de problème. Jamais on a entendu parler de stagiaires qui étaient exportés en France pour réaliser leur stage. Et depuis que vous êtes là au pouvoir, tout se déglingue. Les professeurs stagiaires, là, c'est-il et tout, tombent en morceaux.
Il faut peut-être avouer que vous êtes incapable de régler ce problème-là. Et que le gouvernement le dise. Et que le ministre de l'Éducation, que voulez-vous, avoue qu'il est incompétent pour ce problème, pour régler ce problème-là. Excusez-moi, monsieur le vice-président, avec tout le respect que je vous dois et l'amitié que je vous porte, d'être aussi dur envers votre gouvernement. C'est votre affaire, c'est à vous à régler ce problème-là. Nous sommes intervenus, les parlementaires, les groupes de l'Assemblée, mais le poids et les décisions finales devraient venir de vous. Ensuite, vous nous parlez de votre emprunt à l'AFD. Et effectivement, c'est un emprunt. Nous sommes d'accord avec vous. Il a été initié par votre prédécesseur, le président Tong Song. Mais sa demande n'avait pas abouti et c'est vous qui avez repris le dossier de demande d'emprunt à l'AFD. Et vous connaissiez les conditions de l'AFD. Vous avez accepté les conditions imposées par l'AFD. À tel point que l'AFD a débloqué la première tranche des 3 milliards. Et lorsqu'il faut aujourd'hui, lorsque vous leur demandez les 2 milliards qui restent, l'État vous dit, écoutez, formalisez vos engagements, ceux que vous avez tenus au moment de la signature de cet emprunt. Or, il semblerait que le plan de redressement que vous nous avez présenté ait été fait à la hâte, sans réflexion, sans concertation et surtout sans chiffrage. Vous nous ramenez le document après avec des chiffres tout à fait farfelus. Il est normal qu'aujourd'hui, l'AFD et l'État vous disent « Nous ne voulons pas de votre plan de redressement. Ce n'est pas un plan de redressement, c'est du n'importe quoi. Bon. » À qui la faute? À qui la faute? Ensuite, il y a le poste des 300... les 300 postes qui sont inscrits au collectif. Et cela pose problème également. Mais, monsieur le vice-président, vous avez évoqué ici des problèmes importants, mais il y en a d'autres plus importants encore. Le chômage dans notre pays, ces centaines et centaines de familles qui sont jetées dans la rue parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Mais regardez, Teroma 2. Comment peut-on demander à un retraité qui n'a que 120 000 francs de retraite par mois de payer un loyer de 107 000? Mais où allons-nous? Et que d'autres problèmes qu'en celui-là? Alors, au lieu d'aller faire le clown à Auckland et d'essuyer l'échec que vous avez essuyé, pourquoi n'êtes-vous pas allé à Paris négocier avec le gouvernement français, dialoguer avec le gouvernement français, comme je vous l'avais conseillé l'an dernier, monsieur le vice-président, et vous assistiez à cette entrevue avec le président Temaru. Je vous ai dit, pour l'inscription, allons rencontrer le ministre des Affaires étrangères, monsieur Juppé. Ah non, non, on ne veut pas avoir de frani. Bon, ok, ok. Vous avez la majorité, c'est vous qui... Et aujourd'hui, vous êtes dans un blocage de la situation. Et là, vous nous posez également la question, mais où est l'autonomie? Est-ce que cette autonomie... Mais bien sûr que cette autonomie existe, et plus que jamais. Vous savez, des problèmes comme cela, nous les avons en 20 ans, jamais il y a eu de dépassement de la ligne jaune. Nous avons... tracer une ligne jaune et l'article 14 de notre statut vient encore préciser cette délimitation des pouvoirs de l'État. Jusque-là, jamais l'État n'a osé dépasser la ligne jaune.
Dès qu'il mettait le petit doigt, oh, dégagez de là, ça c'est nous. Ben, de même que nous également, il nous pouvait nous arriver de dépasser un peu la ligne jaune. L'État nous rappelait à l'ordre. Il n'y a jamais eu de discorde comme l'on voit aujourd'hui, vraiment de querelle, de menace de retirer le drapeau français. Où est-ce que l'on a vu ça? De descendre dans la rue. Mais il faudrait peut-être revenir à la raison et demander au président de notre gouvernement, de la Polynésie française, avec le président de l'Assemblée, le vice-président, les présidents. Il y avait combien? 5, 6, 7, 8 membres de l'Assemblée. Ils étaient tous à Auckland, là, aux frais du territoire. Mais allez tous à Paris voir et discuter avec le président de la République ou avec ses conseillers pour essayer de régler ces problèmes-là. Mais ces problèmes-là ne seront pas réglés ici à l'Assemblée. C'est de votre compétence, c'est de votre autorité. Et si vous n'avez pas la compétence, si vous ne pouvez pas le faire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous remercie. Paluru mai tei, me roa pora rahi plos. E whaatura nei au ia oe, e te ani nei au ia oe, ia whaatura ato i te te atu mō mero, no tā tātou wharea pora rahi. Ai tu e maramaroma mai te rami, te pe te turura te tātou arate i mō prau tā oe prau nei, no te orera e whaatura i te mō mero, no atu ato rātou huru. Te e prau tau e whaheti no te tau iwi ai ta tātou ohipai te mhana. Te ani nei au ia oe, ia te ioi ta tātou irawa ahuru maono ta tātou ture roto. Tēnā ora nā rote te reo frani, article 16 de notre règlement intérieur, les membres du gouvernement obtiennent la parole quand ils la demandent. Te aura ia, wana oia, e wopraprau uhora hi atu. Te e terme, armen. Et un rappel à cette heure du jour, mais vous auriez dû demander. Pour notre pays. Mais nous ne sommes pas du tout, à aucun moment, sortis. Merci de me redonner la parole. D'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, de ce débat, impromptu peut-être, mais qui me paraît important. D'abord, il se déroule, je trouve, de façon calme et chacun peut dire franchement les choses et c'est bien. C'est la preuve que nous sommes bien dans un pays démocratique, dans un pays de liberté, où la presse peut écouter, où les uns et les autres nous pouvons donner notre avis et que donc la répression et l'oppression sont quand même relativement limitées. Alors, moi je voudrais revenir sur un point en particulier et je ferai par polémique. Je voudrais reparler des lauréats des concours de l'éducation. Depuis le début de cette histoire, je n'ai jamais pris la parole sur le sujet. Et pourtant, j'ai passé un jour, il y a un certain temps déjà, le CAPES et j'ai passé l'agrégation. Je peux vous dire que ce sont des concours extrêmement difficiles, où on donne énormément de soi. Ils sont sélectifs, parce que le nombre de candidats est important et le nombre de lauréats est limité. Et ils ont prouvé qu'ils étaient à la hauteur de leurs concurrents métropolitains. Quand j'ai passé les concours, il y a un certain nombre d'années, les lauréats polynésiens
déjà lauréats les années antérieures pouvaient se compter sur les doigts des deux mains. On était très peu nombreux. Eh bien, moi, je me félicite du fait qu'aujourd'hui, l'enseignement en Polynésie permet de faire jeu égal et qu'on ait proportionnellement plus de jeunes qui réussissent qu'ailleurs. Et qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Alors que nous avons besoin de ces jeunes pour augmenter la qualité de notre enseignement, pour démontrer eh bien, que nous sommes tout à fait capables de créer ces élites qui vont ensuite aider nos jeunes et nos adolescents à comprendre ben, que c'est possible, qu'il faut y arriver. Ça, c'est la pierre première de notre développement économique. Tout le reste, c'est du blabla. Il faut former la ressource humaine. Et on y arrive, c'est la preuve aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde est amer et malheureux. Parce que, par la responsabilité de personnes, parce que pour moi, c'est une question de personnes, de part et d'autre, qui ont manqué de sagesse, de capacité à trouver des solutions quand le droit pouvait être un peu incomplet, incertain. Et aujourd'hui, eh bien, moi je pense qu'ils doivent avoir vraiment mal au cœur parce que leur travail est dévalorisé. On ne les reconnaît pas. Ils vont perdre une année de carrière. Ils restent contractuels. Donc, ils auront une rémunération qui devrait être moindre. Ils vont perdre une année de carrière qui va compter dans leur carrière future. Et franchement, quand j'ai vu monter cette surenchère de part et d'autre, et on voit bien que pour d'autres sujets, c'est toujours la même chose, le manque d'écoute, le manque de dialogue, l'incapacité à se dire, mais qu'est-ce qui est essentiel? Ben là, on a perdu l'essentiel, et pour beaucoup d'autres choses encore. Et moi, franchement, je voudrais dire à ces jeunes que, véritablement, je trouve injuste qu'ils se trouvent dans cette situation parce que des adultes responsables ont manqué de sagesse. Et je voudrais le dire au ministre de l'Éducation, parce que je pense qu'il a sa part des choses aussi, le vice-recteur aussi. Voilà ce que je voulais dire, et je voudrais dire à ces jeunes enseignants, surtout qu'ils ne perdent pas foi dans leur métier, parce qu'ils auront encore beaucoup d'années pour éduquer nos enfants. Merci. Maruru, te mero apurar hei Eduard Fritsch, tia oera. Maruru, mei te tātou farereira, te iepubei, tātou mono te pau te fufa, te tute, te waitura. Jorana, tēnu atu I te mūpā pēvea, tātou te mūtā e te mūtūhine, te iemahana, tōwha. E mai te eitero whanau te atua. A iehi o tūo I tō tātou meo no peretiteni I te ipepe, I eririrahi tōnu. Pārorotru o te parau api e pene ai te iemahana e umei tō tōu peretiteni, tō tōu aratai. Tāu e ui tūra te hia pai tō tātou perititeni. Mea roa tara amu e rā. Mea roa. Pramau e whātarehau te ie no te turisme me iha ona e nā rira te hare urihare hea I te ie mea ma te ie o tānu nei tātou iu nei I roto I te whiwhi. Tāu e ie whāhiti mai rei te ipi e tō e didi pātua no te mea o tahua tātou I Auckland. Pau noa tō tātou teime. Pau noa tō tātou teime. Pau noa. Te wahi e aro atu, nā tātou hoa e herui tō tātou apo. Ei, te pato mai maari anei. Wa tere tō tātou peretiteni, I te whenua popa, tara mō whenua I whiti mai, whenua popa, whenua atea, hare whā ino I te wharani. Tuia, ehi, hānere onua hauru mataiti tō mātou whāti tīno rāhia. Tēro mei te iemhana. I mana o pai o e, I te trame humeni e tātou. Whiruri no pai o tōu. Nā te iemo tātā tara pre, o I tū e tara tāpūra au e tāra oe. I hi ona boomerang. Tāra oe I ane, hare tara tāpūra au e, e humeni I au e. E pai e tūpūra. A hari onai unai. A hari onai unai. No te poroproi te tōmitara te tei. No te tamatai te tātara I tō tātou whiwhi. Te waira.
Et aïe tout mon ordre na Sarkozy, il prouyane na Tamaru, ere na Sarkozy, ere na Sarkozy, na Tmoukana, il prouyane, ma ouima, il a auto harme yune yo mato, fatu puite pepea, fatu puite fifi, terara, et tiaturi voitera, tramu hua, totato yo, to auto namu, et to mato wato, il a auto harme yo mato, et fahu et ouet fenua. Teye moni ai tar hauta tatu a efre ai homa ara mit mata muona tatu chamatara na oi hoa itari mai tramo prau e fa e pure tatu e horo e tu e plan de redressement e tamata it have to put mo ekon na vai fari na tatu i fari ai te pe ara oi tatu poini no te ha oi tari mai ye tari ma oe wo fari ia e ye fari oe e ai tatu i mo afata moni e Et tito et tato. Tra. Fa her her et ta auto moni. Fa ite mar ai auto e fa hoi ta auto tarhau. Tony. Tra te prou a standards and poors. Te pe a peane ira to no te me ua taite o et teime. Ua ere ero a tato ite moni fa her her. Ta tato. Trezorri naro tu ite prou. Treo pupa. Trezorri. O ye hoi te moni e vai nero tu ite afata. Tamato i vexo mei tratau, ahuru mapa e miriai. Te imhana, zero. Pa, zero. E tratara tau titau rai tatou. I haro oit faremoni, o oisho, i haro oit so credo. E, hi oto rato enen heane tau e fahoi tau moni ava. Ia tai chope ava, taratou ia titau rai tatou. I te imhana, fariro tatou i tramai, e mai o tatou e te farani. Enfin. E i te ie. Te parola che tu mi te ratei te inan heira, ya pacco la FD. Hare na rotoit mo afata mon. E, ti, mon oi oto e hartato e farenik tinto, e huru ono me ratoit moni e weite rato, te fifira tato, rotoit tato, afata moni. Paro hia, fa her here, atu ut moni teiti, te ie tato hatu punait mo tiara hupa, toru hanere ti hapa, ho e miria hau ite mataiti. Hamaguar a, hau. Weite afata moni e far i tato. Owei. Et tu es, non, il y a pas. Et tu as eu, il y a un peu de temps. Tu as eu un peu de temps, tu as eu un peu de temps. Et tu as eu un peu de temps, tu as eu un peu de temps. Ah, il y a un peu de temps. Ou après, il y a tout, et il y a eu. Arrête, non, tu as eu un peu de Non, il y a. Alors, il y a un peu de temps, tu as eu un peu de temps. Mais où est-ce que tu as eu un peu de temps? Tu as eu un peu de temps, tu as eu un peu de temps. Daro to mato e fa ora ite e fenua. Ai tra o to e tau amita mato mo para. Ai tamara, ya o e mo mo. E tra mo pro ta mato e fa hitiatura. Ha? Te ye mo pro ta mato e fa hitiatura, mi tai fa hamano ite he peto mai meri ane. Ta o to ye mo pro e fa hiti mai, ti o mato ti unai o to tamara i shuara. Faia tatu i te pari e whrani te whiwhi. Faia. Tatu ture otonomi te imhana, mea uroa.
Maruru. Meauro. Totato ura fifi. Totato ia paru paru a no te hare e aro. Naruto i te fatura. Hare ra e aro, hare paru paru. Hare paru paru e iheri e ria. Mata u otu i kito mitera te te me enfin. E ta ata ona me ia tato. E moi ta tato hupo ia. E moi ta tato utu anot mea. Tato, aitoa paru tunei e otou tape tato pourua tape i te mana. Tato i fatarit finua. Eh? Maruru. Aitara mato i parina, no te mea te otonomi, o i te otona te iru au i whanhoma i te otonomi. Te mau poro mata mo o tānei parau, roto i to mato mo tere. Roto i to tātou whenua, te parau rao nei te otonomi, ia no aia tātou tera mohi a e te tātou enen he pari whahue, te popa a te hape. Nā tātou e whaatere to tātou whenua, tātou. Nā tātou e mo i tā tātou hoko ia, he pari whahau. A miti peu tarat e o te ti amara nen he pai e tātou e parau parau mai tei, ere? Me tara huru e ata oto e raweira, ai te hare, i te mātou e nen he tu ati atu. Maruru. Merci, monsieur Edouard Fritsch. Vous êtes content tous parler, je pensais encore à cette fable de La Fontaine, le loup et le chien. Je vous invite à relire cette fable de La Fontaine. Les enfants, relisez cette fable et vous comprendrez le débat d'aujourd'hui. Mairona Tamara Fahemeyen et Totato Mono Prititini. Mairona Tiawera. Maruru Prititini. Yorana Tato Pato et Totato Farere Aite Mana. Ya Paron Atu et Moumen Omea Huru Temhat Moumen Aite Temhana Netikata Tumu Propro. La Tiran Matura. Aita mazo e fai non neid fran, aita roat. Ere te rira. E aimaro ara te ie veine il to pui tatu e oratu, no to tu aimatu. Ere la iara i pro yutupun et aimaro ra hiapa i pro hi et e fai nora matu it fran, aita. Aita te rira me eru tu imatu. Te veira ke tawara aparau, te veira te mumana o koroa rai te mumana o iru iratu. Ere ia te rira e fai nora. Mana ora. Tēnā ora pai te te mana au te hina aro nei mātou i te parau no te divorce. Ai te tō tātou whenua e whaipipuhi e whenua whrāni. O divorce nā rame whaipipuhi e ia. E re ai ki whaipipuhi e. Ia hi o nā tātou i te ai tō tātou whenua, bo tupu ke tamairi nei o tātou nei. E hia tō tātou mutupu nei pōi teiti nei o tei kia rōra. Me e nua tūra tei te mō mutu. Ati e opori nei te anei. O tupu te mō arora aro tei te mō tā mutu. Rautupu na tō tātou tei pōi tei kia rōra. No te pāruru rai rātou e pāruru rai tō rātou whenu. Wa wharirohi a rātou i te rārata e mō oru rehau. A tēho i a teiro i te 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 nuna no rātou te whenu. I aro rātou na te paruru i rātou, e paruru i rātou whea oru reha. Ti hia pai a te aura amau te paruru te paruru hia koe e aura a whātere a manahune, ture manahune. Aita. Tēro mai ke te me turi mahi ai te paruru te paruru hia koe e aniti rahi a tātou, whāura ai atu i tātou, te whātere a te aru i te rātou e te whrāna. Iau tā ai to tātou whenua hipa pio te irawa hia. Ti hia ia te paruru te au. E prorobo i tātou e hi o tōpai tātou i te rea mō vahai, hiopai tātou e prorobo nunga te tātou i te tuarei hatu mō hiopai tupu i te rāratau. Tā tātou wanira, tā mātou wanira. E re te whātupu rai, piape eru tupu i tātou e te hauwharani, au rera te nā wharani. Te ani nei tātou, i te haru au tāera. Ia pai te rāparu tā rātou e prorobo nunga re, te tia mārā tai whaito rai e te au tāera. Liberte, egalite, fraternite. Wanhenhe te rāparu tā te hauwharani. Pātana tō pai e nei tātou. Horoa tō mei pai e tō tātou kia mārā. Horoa tō mei tō tātou ai whaitora. Horoa tō mei tō tātou tuatira, au tātira e tetei, tetei. E re te ie tamātou anira mena tōi whātupu rai te tamai te pea pea te atu aita. Ma te whāhipa rai te moharatai rā ture veine. Terai e aratai rai parohiare, whāhoi nei tō tātou whenua ini ke tāpura rā tō mō whenua hia aire te kia mārā. E ture te rā,
Tehi papa iro hi ei tarara tau ma peri tau o tine yuhanere maharu mahi ti tau parani. Ai ti ani hi amai te mana o te whea e whatere rei tō tātou whinua i tarara tau. E ore na te nuna o te e whinua, ni tatara no hi ei tau parani. Ma te ore e ani mei tō tātou mana. Ti hi a pa ia te uraro rahu parau no te uraro amana hune, te whanau amana hune e te kingwane. Ai tau, ua whaoti rato e narira. E te iam hana, ia te amai Oscar te maru ini anu te parau rei, whahoi, ai, ai, ai. Eu ia te e tata i te hoi tata. Di inoro ino e parau te te mo paru te ima aita. Aita aru atu. Eu roa honu mata hei te parau no rahe te vera. Aiti vatu buhi eke tamai e teito tātou whenua. Aita tātou i te ene aero e mohi ai buhui. Aita. Me parau noa, parau noa, parau noa. Te uraro rai a mātou i te arata ira o te ture e te whanhoa o te e whenua tō tātou. Ia pai tātou e nari atu e te parau e. Ai te Oscar i Manuia ke tere ai i Auckland. Rauturo i tātou o ia o Manuia. Hoi a huru maho e, pātere i e turura. No atu ai tātou te para pātere e tu. Wa turu rā te te pā. Hoi a huru maho e rātou i turu. E, mona o tau e meiti tera a huru maho e. Me huru rei tō tera. No atu ai a te ke tātou a rai whari. Tēnei rā, i hau te mana ai whari i whāro o tohi a norto mai te perike tēnei ko tomite te Haua mui, e whari hia o Oscar te maru i hare New York, e tū te ia mana Hawaii mua i whanau rā tonu. E haia. Te vivere i aia, mea mā. Te iroto wā tātou i te uraro rā i whanau rā o te parauno te arata e rā mana huneira tui tō tātou whenu. E, mea mā, he parauna au pai tātou e te ia mhana. Te iroto tō tātou nun ai te poer ai te poie e rā e nautu i e promu era. Tamino no era. Mea mā, e re tera hoho ai no te e nei. Tau ma te heiti i te amon ki tera whiwi ki tupu ai i nei o tātou nei. E re me te piti tau tine mhā tau te heiti. E re, no mua ro mai. No mua ro atu tera hoi pai ki tupu rā. Te whiwi rā te ora ao te nuna mā hoi o tātou whenua. E tae ro mai te e mhāna. Heo tei tō rātou whiwi te ora rā. Pēut utua whare, ai ona tātou i te hewa i te emana. Te rei roa rā te mohipa, i noiru te i tō tātou whenu. E ere, nā mātou i whatupu. Noro tō rai tūru, e te whanau rau, te ora rau, te i e tau, te ha tau hari ia mai tāmei te emana. Wa i no, wa rei roa, i noiru te i tō tātou whenu. Mea mā, i hai paru noa, i hai pai pari noa nā mātou i te e whaita. Ai te roa tu. Wa tupu wana te whiwhi ro te i tō tātou whenu, e rai nei ke tau e taro mei ai te emana. Te mine matu i parauna hepa i parauna ki te amara he ha me ino tana parau. E ere tana parau i te parau ino. E pira roa no pai tātou i tana parau e dua tana parau i te amara. Ki anai moe me maa oi oi, me maa oi e tia. E re i parau ai ki arepo e te amara. Ai o me te tātou i te amara tana parau e parau mai tai tana. Ai tana e nina, ai tana mātou e rawera i te hepa naroto i te atupu rai te pia pia. E naroto i te mo hepa vi yao zo zo mo marau. Ai tana roa. Nuri rā. Me te mehuru te mhāri i tō reo i paru rātu i tātou, pari mei tō tāpā o tātara hapa e mua i o tō. Tārāra, mana o rātara nō e paru rātu i tātou. Maru i tāpā o rāmi, i o rā. Maruru, tamarati a oera, kare mei tō tātou mono preti tēni. Maruru mai rona no tō e mou mana. E uira vo i a o tō. Wa tā i a o tō e hatara pra e paru hia meira. Tō tātou whenua me i a hi e teo frāni. Iri roa i e whenua frangi te mama. Wa tupu te tama i o i o i o i o. He ato o tau mana. Mai te peu e wuzo a fute, o he pa o tō i a tēnā. Me nu, nu som patriotik. Nu zemo notre pays. Nu ne pouvo pa... Ata, ata ta. Ata. Non, j'ai l'impression que tu aimes plus la France que notre pays. Bon, maintenant, c'est moi qui parle, s'il te plaît. Rata ou anirai auto. Oui, tu es un auto et ton tato à amou. Mais tu es un auto et on a un professeur là. Hein? Ah ou est-ce que tu as venu ou il a tiré? Il te hi a été à amou au téfenoua. RFO, va arrêter à pro. Ah ou est-ce que tu as venu ou il a tiré? Les enfants qui sont là, connaissez-vous l'histoire de notre pays? Si vous ne connaissez pas, venez au Tamini Huiratira chercher un bouquin.
Là, on va vous apprendre l'histoire de notre pays. Comment ce pays est devenu français. Il y a eu des tricheries, du vol. On a tué des gens pour ça. Je suis désolé de vous parler comme ça. Mais oh là 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 là. Eh bien, dis donc, tu ne connais pas l'histoire alors de notre pays. Demande à madame... Comment s'appelle sa femme? Sa femme. Demande aux Marquisiens. Demande. Mon copain Floss, demande aux Marquisiens leur histoire et tu sauras. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais avant, je voudrais répondre à ma copine là-bas. Quand elle nous reproche de parler de ces sujets ici, je demande à Sandra, c'est la maison du peuple. On n'a pas le droit de parler du peuple dans cette maison. C'est des sujets qui concernent directement le peuple. Les stagiaires qu'on voulait envoyer en France sans demander leur avis, et on donne leur mutation au dernier moment. Si jamais ça arrive à un de tes enfants, tu vas être content? Et d'un. Deuxièmement, je t'ai vu à la télé dimanche, ou je ne me rappelle plus quel jour, en train de faire de la politique politicienne, en parlant des 300 emplois qu'on a validés dans notre collectif budgétaire. Tu t'es demandé qui sont ces gens-là? Qui sont les 300 personnes? Tony va vous réexpliquer encore, si vous n'avez pas compris. Et qu'est-ce que le haut-commissaire il veut faire? Il faut les foutre à la porte. Non, mais où est-ce qu'on va là? Il faut les foutre à la porte. Et à la télé, tu dis, et la population? Où est la population là? Pourquoi les 300 personnes, ça ne fait pas partie de la population? Maintenant, je te demande à toi, parce que ça fait plusieurs fois que tu vas devant la télé faire de la politique politicienne, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu fais pour la population aujourd'hui? Ou bien depuis que tu es devenu conseiller territorial. Qu'est-ce que tu fais? Pour moi, pour le moment, il n'y a que du chalala. Hein? Voilà, ok. Je voudrais répondre à M. France lorsqu'il dit... Ah, jusqu'au temps, oui, il n'y a jamais de problème. Attends, mon cher ami. C'est normal jusqu'au temps, oui. La période avant le Taoui, qui est-ce qui était au pouvoir? Qui était au pouvoir? J'ai pas envie de... Attends, j'ai pas fini. J'ai pas envie de me fâcher avec toi. Qui était au pouvoir avant le Taoui? C'est toi. Hein? Et tout tombait. Ça pleuvait des sous. On plaçait les sous là où on veut. Et donc, dès que Oscar est venu en 2004, qu'est-ce qu'on a entendu de Paris? Les élections ne sont pas terminées. On va vous fermer les robinets. Et les robinets ont été fermés. Tu comprends? Quand ce sont des gens de l'autonomie qui sont au pouvoir, tout va bien. Quand c'est Oscar Temaru ou bien un indépendantiste, oh là là, c'est le diable. Mais je suis désolé, Oscar, c'est pas d'aujourd'hui qu'il parle de l'indépendance. Depuis qu'il a commencé à faire sa politique, d'ailleurs, lisez le journal d'aujourd'hui. Excusez-moi un moment. Alors, je disais, depuis que Oscar a commencé la politique, il n'a fait que parler de ça, sans changer d'iota. Yama, toujours la même chose. Au début, on était deux à l'Assemblée, après quatre sont arrivés, et aujourd'hui, combien nous sommes? Au Taoui 2004, on était combien? Combien on était en 2004? On était 27, je crois, ou 26. Bon, ton sang dit que c'est lui qui a la majorité. Ça, c'est lui. Hein? Et il est parti en Nouvelle-Zélande avec une lettre qui dit « J'ai 60% des Polynésiens ». Attends, où? Là, il y a 10 personnes là. C'est dommage qu'on n'a pas répondu à son courrier. Et vous acceptez ça, même si c'est faux, vous acceptez. Bon, je suis désolé de parler un peu
comment on peut dire, je suis un peu mal élevé par rapport à Myron, mais je suis désolé. Alors, et lorsque tu dis, qu'est-ce qu'il va faire à Auckland? Mais enfin, Myron, il va à Auckland pour ce qu'il a toujours répété. Inscription, indépendance, mais il ne faut pas mélanger les deux. Hein? Bon, à moins que vous voulez que je vous refasse l'histoire, il ne faut pas mélanger les deux. Inscription tout seul, l'indépendance après, lorsque on sera prêt, ce sera le peuple qui décide. C'est clair et net. Alors, je reviens à notre sujet, Monsieur le Président. Hapotomoy, Tamara. Aïta, wahorowe pititaime yuan. Alors, j'ai déjà répondu, j'ai déjà souligné le premier sujet concernant nos enfants qu'on veut envoyer en France alors qu'il y a de la place ici, alors qu'ils ne veulent pas aller à l'extérieur, ils veulent rester chez eux. Est-ce normal ou pas? Je pose la question. Est-ce que c'est normal? Bien sûr que c'est normal. Mettez-vous à la place de ces enfants. On leur envoie leur mutation au dernier moment. Vous allez accepter? Pour moi, lorsque j'étais dans l'enseignement, on nous amenait, on nous demandait de remplir les fiches de mutation 2 ans à l'avance. Et à eux, on dit au dernier moment, aïe, vous devez partir, vous êtes obligés de partir, comme des malpropres, quoi. Hein? Alors, on accepte? Moi, personnellement, je ne peux pas accepter. En plus, c'est un commencement de quelque chose que je commence à deviner. Hein? Allez, ouste là-bas et là-bas, venez ici. Deuxièmement, t'es prêt ou pas une tata totarahur amuni et AFD? Ben, je vous assure, il y a de quoi être déçu. Hein? Franchement, on nous donne les premières conditions, après, c'est plus suffisant. On n'est plus d'accord, c'est pas ça. Moi, je ne peux pas vous expliquer réellement comment ça s'est passé. Il y a de quoi changer d'opinion là, dans sa tête par rapport à ce pays. On me dit toujours, lorsque j'étais dans la fonction publique, on me dit « Ah, où est-ce? Nous avons une... Nous sommes obligés de respecter le droit de réserve quand on est dans la fonction publique. Mais quand on a vu tout ce qui se passe dans notre pays, eh bien, dès que tu sors de l'administration, tu vas direct au Tavini. La même chose pour les gendarmes. Pourquoi il y a autant de gendarmes qui sont dans le Tavini? Pourquoi? Posez-vous des questions. Alors, troisième point. Ah, je l'ai dit tout à l'heure à Sandra, lorsque on a mis en place les 300 personnes dans notre collectif et que le haut commissaire dit qu'il faut les mettre dehors. Voilà. Monsieur Flan, je te pose la question. Tu acceptes si c'était ton projet à toi? Tu vas accepter que c'est le haut commissaire qui va te dire fous-moi ces personnes dehors? Je ne pense pas. C'est ton peuple. On n'a pas le droit de faire ça. Non, mais depuis quand? C'est la France, c'est l'État qui va venir nous dire, on peut embaucher Tétouanoui, non, pas ce Tétouanoui-là, ce Tétouanoui-là. Depuis quand? C'est notre affaire à nous. Nous avons un ministre pour ça. Mais où on va? Depuis quand on va commencer? Combien de temps on va continuer à accepter? C'est comme les compétences qu'on ramène au pays. Les compétences qu'on ramène aux communes, prenez cette compétence pour vous, mais les moyens ne suivent pas. Posez la question à tous les maires. Maruru. Hein? Maruru Tamara. Ceux qui ont été au congrès des maires, il y a des maires qui ont fait ça. Ça veut dire comment ça, on a avoir le bol. Arira, hein? Maruru. N'est-ce pas mon copain Floss? Maruru Tamara. Mais président, j'ai beaucoup de choses à dire, maintenant si tu veux me couper la parole, tu peux. Hein? Merci, t'attends. Tout à l'heure, je reprends la parole. Laria, Maruru. Merci. Maruru, Maite. Tout le monde prêtit une tiaouera. Oui, monsieur le président, je ne voulais pas le débat de ce matin polémique, mais je me devais quand même satisfaire un ensemble de personnes qui m'ont appelé par rapport à un article de presse que j'avais pas lu.
Ils m'ont appelé depuis 5 heures du matin pour me dire, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces déclarations de l'État et tout? Et je leur ai dit, écoutez, j'attends d'arriver à mon cabinet pour prendre lecture des déclarations et ensuite je verrai comment réagir. Et lorsque j'ai lu la presse de ce matin, j'ai considéré ça comme l'ouverture des hostilités, véritablement. J'ai bien senti dans les interventions de l'opposition, Monsieur le Président, que, au-delà des paroles acerbes qui ont été tenues, je n'ai pas senti que le sentiment suivait. J'ai bien ressenti chez nos amis de l'opposition comme un arrière-goût de frustration par rapport à ces déclarations, même s'ils ont tenu les propos qu'on a entendus. C'est peut-être mon sixième sens aiguisé qui m'a fait sentir ça, mais je l'ai senti en tous les cas et je vous le dis. C'est pour dire que aujourd'hui, on ne veut pas ouvrir le débat sur le droit fondamental qui s'attache à tous ces peuples qui souhaitent accéder à la souveraineté. Un droit imprescriptible, universel, inaliénable, on n'ouvre pas le débat sur ce thème. Nous sommes sur le quotidien. Des petites bricoles, comme je dis, qui peuvent se régler dans un couloir, en coulisses, très facilement. Positionnement du vice-recteur, et ensuite, on voit le pays, on s'entend, on a eu plusieurs réunions. Et j'ai cru comprendre qu'en fait, le vice-recteur était un deuxième haut-commissaire en Polynésie. Et que même si le haut-commissaire prenait une décision, il fallait qu'il s'en assure d'abord par rapport à ce qui relie le vice-recteur avec son administration de tutelle. C'est comme ça que j'ai compris, parce que je ne comprenais pas. Et d'ailleurs, je m'en suis ouvert, je l'ai dit, au cours d'une réunion, pour moi en Polynésie, dans le cadre de l'autonomie, il y a un seul État, c'est le représentant de l'État. On n'a même pas besoin d'aller en France. C'est gaspiller de l'argent que d'aller en France. J'en ai fait les frais en 2009. J'ai été en France en 2009 en tant que vice-président. Pour le problème foncier notamment. J'ai été en France pour demander au garde des Sceaux est-ce qu'on pourrait autoriser le pays, dans le cadre d'une nouvelle disposition de notre autonomie, de copartager une compétence. Parce que nous devons intervenir dans le code civil. Voilà, donc vous avez entendu RFO. Donc vous savez, ce n'est pas 250 000 habitants qui va venir damer le pied en 60 millions d'habitants. On est d'accord? Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que si on a pu le faire pour Mayotte, si on a pu le faire pour la Corse, on peut le faire pour la Polynésie. Mais il faut une décision politique. Il n'y a plus de ligne jaune, monsieur Floss. Aujourd'hui, la ligne, elle est rouge. La ligne jaune, elle date de Chirac. Aujourd'hui, la ligne, elle est rouge, complètement rouge. Donc c'est pour vous dire, devant ce genre de confrontation, comment voulez-vous placer le dialogue, si ce n'est de faire ce que vous proposez, on fait allégeance. Et on repart dans la tolérance. Vous savez, la tolérance, ça s'inscrit dans une échelle encadrée par deux curseurs. Quand on arrive aux extrêmes, ben, il n'y a plus de tolérance, ça casse. Donc est-ce que, j'ai bien compris le message, vous nous dites, restez dans le curseur de la tolérance. Faromai, yaouraro. Voilà ce que vous me dites. Mais nos gosses en attendant, à quel sens ils vont être mangés dans la décision de justice qui va tomber? Et puis si elle ne correspond pas aux intentions de l'État, lorsque le référendum va tomber, comment on va se positionner politiquement? Comment? Je vous pose la question. Au nom de l'autonomie. Enfin, Monsieur le Président, le débat est tellement important que Madame Sandra Lévy-Agami, dans sa diatribe et, on va dire, sa rhétorique, digne des fables de, je ne sais plus comment vous avez dit, de La Fontaine, où j'en sais trop rien, à parler de divorce. Comme l'a si bien expliqué Myron, avant de divorcer, il faut se marier. Vous savez quand est-ce qu'on s'est marié?
en 1846, lorsqu'on a perdu la guerre. Vous avez beaucoup de couples qui se sont mariés dans ces conditions? Ils ont fait la guerre d'abord et après avoir perdu la guerre, ils se sont mariés. Et 100 ans après, ils pensent au divorce? Non, honnêtement, il faut ramener le débat dans sa juste proportion. Problématique foncière en Polynésie, voyez-vous, Madame Sandra Lévy-Agami, si on ne peut pas l'encadrer dans le cadre d'un dialogue, comme je l'ai proposé au garde des Sceaux, qui va nous amener à l'utilisation des moyens dont on a, moyens législatifs, le cavalier de l'article 31 de la loi organique, il nous reste quoi? Il nous reste tout simplement la réinscription. C'est quoi la décolonisation? C'est remettre de l'ordre dans tout ce qui a été désordonné, et notamment dans le foncier. Ça appelle l'État à la table de la discussion, mais là, d'égal à égal, parce qu'il y aura un arbitrage, un observateur de l'ONU. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On fait 20 000 kilomètres, et malgré le décalage horaire, il faut vite rencontrer le garde des Sceaux, il faut lui dire, écoutez, il y a un problème en Polynésie, est-ce qu'on ne peut pas le régler de cette façon? Et il vous dit, écoutez, nous, on est 60 millions, on n'y pensait pas. Retournez d'où vous venez. Voilà, je reviens, je vous le dis. Comment faire encore? Il faut aller faire le piquet de grue devant la porte du garde des Sceaux pour lui dire, s'il vous plaît, monsieur le garde des Sceaux, nous vous supplions au nom du dialogue. C'est pour ça que je vous dis, il y a des limites à tout. Curseur, il se trouve entre deux points. Aujourd'hui, la tolérance, elle est presque au bout. Et lorsqu'on va dépasser ce cadre-là, ça va nous échapper des mains, pas à nous seulement, à vous aussi. C'est pour ça qu'il faut, il faut être très regardant de ce qui se passe en ce moment en Polynésie et de la façon dont le traitement du pays de tutelle par rapport à la Polynésie est effectué. En tous les cas, s'il n'y avait pas eu l'article de presse dans les journaux aujourd'hui, vous croyez que je serais venu devant vous pour vous en parler? J'aurais continué à gérer mes dossiers. Si seulement avant la conférence de presse, il m'avait appelé pour dire, écoutez, voilà, j'ai un problème, je suis obligé d'exposer les instructions que j'ai, vous croyez que je serais venu devant vous? On aurait fait une réunion de majorité, j'aurais expliqué, attention, voilà, commissaire, là, rien. Ben, finalement, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. C'est pour ça que je vous dis, on ne sait plus trop comment arbitrer ce genre de situation, mais nous allons quand même, à la lueur des informations complémentaires que va donner donc, le ministre donc, des Finances, essayer de porter sur nos épaules le poids de la charge. On va parler de la problématique de ceux qui sont sans emploi, qui viennent de perdre leur emploi, qui sont au chômage aujourd'hui. On va parler également de ceux qui sont sous le seuil de la misère. On va en parler, on y pense, mais nous on n'y pense pas seulement, on a un devoir, il faut qu'on réalise. Nous sommes sur les textes, là, en ce moment. On va venir avant vous, peut-être pendant la période budgétaire, mais certainement avant le vote du budget, avec les textes, pour justement apporter une réponse à toutes ces questions. C'est notre problématique. C'est pour ça que je vous dis, à côté du chouïa qui concerne 16 stagiaires, on vient mettre à mal des relations institutionnelles. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Merci, monsieur le vice-président, et sauf votre respect, on ne dit pas piquer de grue, on dit pied de grue, faire le pied de grue. Voilà, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Avant tout, je voudrais saluer tous les représentants et représentantes de l'Assemblée. J'ai bien écouté les présentations. Je remercie monsieur le vice-président. J'ai tout de suite l'ancien gouvernement de donner instruction aux finances d'aller voir où sont les 15 milliards que vous avez annoncés, comme de trésorerie. Je me suis dit, décidément, on me cache beaucoup de choses. Non. Alors, en ce qui concerne M. Bussou, je ne crois pas avoir affirmé ici que le PFD était débloqué, la deuxième tranche. Non, non, non. Après, M. le sénateur, pas deux fois, m'a posé la question et je ne lui ai pas répondu. Je crois que je suis quand même. J'ai dit que le traitement, c'était en cours au niveau de l'État. Et moi, je m'attendais également à ce que l'État me dise, écoutez, on a un problème d'appréciation sur les postes. Alors, on me dit, dans le plan de redressement pour la partie que j'ai présentée, ben, je me suis fait procurer le document que j'ai fait soumettre à l'Assemblée. Il est clairement indiqué, la suppression des postes a été faite de manière systématique. Vous savez, les fameux 500 postes, l'arrêté de février,
D'accord. Sans que les besoins nécessaires pour assurer la sécurité des biens des personnes aient été pris en compte, ce qui peut engager la responsabilité pénale et civile de la Polynésie française. Ah, c'est la situation des postes. Je vous avais dit qu'il fallait, et le constat que j'ai pu faire, c'est qu'il y avait 108 postes à créer, à inscrire, alors que les personnes étaient recrutées. Je connais la technique, c'est la fameuse enveloppe dévolue, sans création de poste, mais les gens étaient en poste. Qu'est-ce que je fais? Je leur dis, monsieur, vous n'avez pas de support budgétaire, madame, dehors. Non, ils étaient en poste. J'ai bien distingué les 108 des 200. Ensuite, de l'analyse que j'ai faite, j'ai donné comme instruction, il faut se limiter à la sécurité des biens et des personnes. Comme ça, ça a été conduit les choses. Vous trouvez des postes de la santé, notamment des postes au niveau de la DAC, et au niveau également de l'éducation. Quand on me dit qu'il faut un surveillant absolument là-bas, qu'est-ce que je dis? J'adopte le même principe qu'en France, 16 000 postes supprimés dans l'éducation nationale, alors que nous, on a une telle couverture en superficie. C'est ce qui m'a conduit. Ensuite, je vous avais dit, attention, il y a des postes créés par reprise des missions. L'Institut de la consommation. Je me suis expliqué ici. J'étais obligé de créer 8 postes, mais en compensation de quoi je ne verse plus la subvention. La situation également avec la CETIL. Elle a les 10. Sujet d'ailleurs évoqué déjà depuis l'année dernière, mais jamais résolu. J'y ai apporté la réponse. J'étais bien obligé de créer ces postes. Moyennant quoi, on ne versera plus. On récupère. Ça, c'est des obligations. C'est comme ça que j'ai procédé dans la conduite du traitement des dossiers. Je ne crois pas avoir, au titre de la prérogative du ministre de la Fonction publique, commencé à réouvrir les postes. Je connais bien la situation. La chance, peut-être, c'est être ministre de la Fonction publique et ministre des Finances, parce que tout de suite derrière, comment on finance? Bon. Ça a toujours été très difficile pour satisfaire les besoins de tous. Et puis, je le sais, vous-même, vous ne cessez de réclamer, attention, il manque un poste là-bas, au niveau de la santé, surtout dans les structures les plus éloignées. Donc il fallait bien que je les intègre. Je ne pense pas avoir commis. Lorsque le commissaire fait paraître en disant ben, on ne comprend plus la position, mais dans le document que je vous ai soumis, il était clairement identifié. Et l'État nous rappelle, attention, votre responsabilité pénale et civile dans la gestion du service public. Je ne peux pas d'un côté le reconnaître et dire ben, je ne crée pas les postes. Je sais bien que ça allait bloquer dans la réflexion, mais je ne m'attendais pas à ce que l'État ose lancer sur la place publique. Parce qu'il y a quand même des postes dévolus à la responsabilité de l'État dont on a les financements, notamment pour la prise en charge de la sécurité aéroportuaire. Mais pour cela, encore faut-il que les postes soient créés. Ici même, on a modifié le plan comptable pour permettre de mieux gérer, mieux chiffrer et flécher les financements étatiques de la sécurité. Alors, je ne sais pas si c'est une manière de procéder dans les échanges. Moi, j'ai été complètement étonné. Mais ce n'est pas tout. J'ai annoncé ici même que je préparais un plan de départ volontaire. Vous m'avez demandé le chiffrage. J'ai dit, attendez, je suis en cours de le faire. Le chiffrage, je l'ai proposé, j'ai adressé à l'État. Réponse de l'État. Ah non, 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 on ne veut pas que vous permettiez à telle catégorie de bénéficier du plan de départ volontaire. Réponse, on va être en rupture de l'égalité. Pourquoi je dois sélectionner sur certains postes? Vous savez, le chiffrage maintenant est fait, on approcherait les 3 milliards. Conclusion, si ça se réalise, on arrivera bien à maîtriser l'enveloppe budgétaire. C'est bien ça la volonté. Bien entendu, je ferai attention à ce que les services ne réclament pas le remplacement à l'identique. Là-dessus, on est tous d'accord. Vous-même, vous allez débattre d'un sujet pour récupérer des personnels de l'ancienne flottille pour pouvoir les redispatcher dans les services. Je crois quand même il y a bien une volonté d'organiser et réorganiser les services. C'est trop facile de dire « je supprime tous les postes ». L'arrêté de février de cette année, les conséquences sont claires, suppression de 500 postes. Suppression de 500 postes quand les personnes arrivent à la retraite, sans même regarder l'utilité du poste. Mais entre-temps, dès le lendemain, en masse, recrutement, sans support budgétaire.
Ce n'est pas une méthode de travail. La CTC nous aurait condamnés là-dessus. Moi, j'ai voulu rectifier le tir. Et en jouant en transparence, en venant devant l'Assemblée, et en proposant à l'État, voilà, l'état de la situation, ensuite le plan de départ, permettra véritablement d'aller dans le sens de la réduction de la masse salariale. Bien entendu, si vous prenez qu'un concept à un moment donné, il ne tient plus. C'est ça la volonté. Maintenant, si vous me dites que ce n'est pas la bonne méthode, c'est laquelle? Je supprime les postes et je recrute par rapport à un volant de trésorerie. Et ensuite, à la fin, vous me dites, mais comment ça se fait que les personnes ont été recrutées, mais qu'il n'y avait pas les postes budgétaires? Parce que dans les suppressions de postes, ce qu'on a oublié, c'est tous les fonctionnaires en position de détachement qui vont réintégrer, ils vont terminer la position de détachement ou de mise en disponibilité. Lorsqu'ils vont se présenter dans leur structure au service du personnel, je réintègre mon poste. Désolé, monsieur, vous n'avez plus de poste budgétaire. On ne peut pas vous payer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai un droit à la réintégration. Vous êtes tenu de le faire. Mais on n'a même pas pourvu les postes. Oh, c'est une obligation. C'est tout ça que je vais vous mettre à plat. Et lorsque je parle de ça, mesdames, messieurs les représentants, cela concerne certains d'entre nous. Vous le savez bien. À l'avenir, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Et mon Dieu, vous m'auriez reproché de ne pas avoir prévu le droit qui oblige l'administration publique à réserver ses postes en cas de retour dans l'administration. Et c'est une règle. C'est cela aussi que j'ai découvert. C'est cela aussi que j'ai imposé aux structures en disant il faut absolument clarifier cette position. Je ne crois pas avoir commis, me semble-t-il. Maintenant, moi, je suis prêt à aller discuter avec l'État. S'il doit me dire maintenant comment le pays doit faire son plan de départ volontaire, vous savez, j'ai dit aux représentants de l'État, rassurez-vous, je ne mettrai pas une indemnité équivalente à celle des personnels de l'armée. C'est qui est en cours, là. Dont les montants sont colossaux. J'ai dit, nous, on n'a pas les moyens. On va rester dans une situation. Mais c'est vous dire, je ne comprends pas que ça ait été jeté en pâture comme ça. S'il faut y aller, moi aussi, je vais m'y mettre. Mais ce n'est pas la volonté. Je pensais qu'ils auraient pu m'appeler, qu'on s'explique. Mais je vais donner les positions. Et j'aurais tout simplement dit, très bien, mais je ne fournis pas les personnels nécessaires à la direction de l'aviation civile pour assurer la sécurité, alors qu'on est pénalement responsable. Voilà, globalement, sur la partie de la situation et de l'exécution du budget et du prêt AFD, et notamment la situation de gestion des postes administratifs. Je n'ai aucune volonté de vouloir encore augmenter la masse salariale, au contraire, de mieux la répartir. Mais maintenant, s'il y en a parmi vous qui savent mieux faire, qu'ils le disent. Maruru meite, emhat ata toi yani yaprapro, yuti netra emhat ata, vehio tatu itirika tumupro, harme tatu ite te tumupro na tatu no te pepe. Anik, tia oera. Maruru meite priktini, mono priktini, mo fatrihau, yorana, etato porua. Paruru no ayo to tatu mumon a. Faino tu faino mai, faino tu faino mai. Nema, te proropa eti te ie, te proropa eno tu tato whenua, e whatapo ahia, a ti proiat mea e tapo, whatapo ahia. Te ora nawe pe tatara ora tra whatapo ora. Hine nā tu kol, a ti e ni me tui rātira. E whrani hei tra, e protramo proe e a tau whenua o tārhau te whahau whrani. Mea mā, pau rātou mi bai. Nau ia e mei ne. Oi ti pātai, oi ti mau te auri. Pōana o opa. Ai ti mohe ia oto? Oi ia pā. E porau no tra, no tō tātou priktini, tau whenua. Toma to priktini, tau priktini. Te oa ne o iana. Te pe mo mana, trape mo peuro hi ara. Oi ti hari mo mekture. Toma to priktini, tau priktini. Hai tō nari mo mekture. Me ma. Trate mea nene o popo iana. Paena tato tfa ino no ti te. No trano ho e tato fa ino.
Ayo pena mo ya auto. Ho auto fai no etite. Otra me aiti ora ro tot pure. Tomato prekte ni haro onot pure. Porot pepe. Tra maruru. Maruru mete anik ema tia oera. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Yorana. Je vais être très, très brève, Monsieur le Président, mais juste en préambule pour de tout ce que j'ai entendu, enfin les échanges, je trouve que c'est important, effectivement, de parler de cela. Mais moi, j'ai l'impression qu'on s'est trompé d'époque, enfin, on s'est trompé de temps. Nous sommes dans un pays avec un statut d'autonomie et qui relève effectivement, qui demande bien sûr un partenariat réel hein, et franc avec l'État. Mais seulement à côté, vous demandez autre chose. Je pense que, et en même temps, donc les propos ne sont pas tout à fait adéquats hein, à l'égard de l'autre qui est son partenaire. Ce qui rend d'autant les relations très difficiles. Mais je voulais surtout, notre ministre de la fonction publique est sorti, surtout par rapport aux 300 postes qui sont inscrits dans le cadre du collectif budgétaire et de la position du questionnement de l'État entre la suppression, un départ volontaire de 500 personnes et puis la création de 300 postes. Mais je ne pense pas que l'État demande à supprimer les 300 postes créés dans le collectif budgétaire. L'État demande quelle est la cohérence entre la suppression et le départ volontaire et la création de 300 postes. Ce qui manque, on voit bien que dans les 300 postes, il y a surtout les deux secteurs clés qui sont mis en avant, et notamment la santé et le social. Bon. C'est de la responsabilité de la Polynésie française d'assurer la sécurité des personnes. Parce que dans ces deux secteurs-là, on s'occupe beaucoup de personnes, de l'humain. Mais la difficulté, c'est que ces créations de postes ne sont pas, on ne sait pas véritablement pour faire quoi et comment, quelle est la nouvelle réorganisation du secteur de la santé et du secteur social pour accueillir ces 300 postes. Et je pense que l'État, vous pourriez demander à l'État, proposer à l'État, voilà l'organisation que nous souhaitons en matière de soins dans notre pays et en matière de prise en charge sociale de notre population dans notre pays. D'où, effectivement, la nécessité de créer ces nombres de postes dans le cadre du collectif budgétaire. Et je reviens juste un peu en arrière dans les contributions de chaque ministère dans le cadre du plan de redressement. On voit bien qu'il n'y a pas de cohérence ou de logique entre la contribution proposée par le ministre de la Santé et de la Solidarité et la demande, effectivement, et l'inscription de création de postes, hein, des 300 postes. Le ministre ne nous a rien proposé de la réorganisation qu'il souhaite par rapport au plan de soins dans notre pays. Il y a des structures dont j'ai parlé la semaine dernière, concernant par exemple le centre de pédopsie qui ne fonctionne plus aujourd'hui parce que ce centre n'a plus les moyens mis à sa disposition, alors même que la population prise en charge, qui a besoin d'une prise en charge bien spécifique, il s'agit bien de ces enfants autistes, psychotistes, etc., et qui nécessite une prise en charge continue et permanente avec, bien sûr, les moyens nécessaires. Eh bien, ce centre-là n'existe, ne fonctionne plus, ne sait même pas quel est le plan de soins que souhaiterait faire le gouvernement.
Et je pense que c'est cette adéquation qui manque, qu'il faut démontrer à l'État. Nous avons besoin de ces postes créés dans le cadre du collectif parce que nous voulons faire ceci, faire cela. C'est ça qui manque. Voilà. Donc, monsieur le Président, c'est pour aider, hein, c'est parce qu'il s'agit aussi de notre pays. Il s'agit aussi de mon pays. Ce n'est pas seulement le vôtre. Mais restons dans le présent. On est dans un statut d'autonomie. Eh bien, on gère le statut d'autonomie avec le partenariat de la France. Laissons le moment électoral pour demander à la population si elle souhaite vous suivre ou si elle souhaite rester où nous sommes aujourd'hui. Voilà, merci. Oui, rapidement, bonjour à tous. Je voulais dire au vice-président que ce qui serait peut-être plus honnête de votre part, c'est d'assumer aussi votre part de responsabilité. Quand on a étudié le plan de redressement, je suis revenu sur ce point. Et ce n'est pas parce que je suis autonomiste que je ne vais rien dire contre l'État. Quand on a voté ce plan de redressement, nous avons voté contre. Et parmi les arguments, nous vous avons dit que ce protocole d'accord que vous avez signé tout seul, et en plus c'est véritablement le vice-président qui l'a signé pour le président, nous engage dans ce que vous voulez faire croire que l'État vous impose aujourd'hui. Mais c'est vous qui avez signé. Gel immédiat des effectifs et engagement de non-remplacement de tous les départs en retraite. Aujourd'hui, vous vous plaignez que l'État, quelque part, s'ingère un peu dans nos compétences. C'était le principal reproche que je vous ai fait il y a 2 semaines. Vous avez engagé notre pays à céder sur ses propres compétences. Alors, s'il vous plaît, moi, ce que je souhaiterais, je veux bien qu'on parle d'un partenariat rénové avec l'État. Bien évidemment qu'il y a des choses qu'il faut régler. Quand on est en partenariat avec quelqu'un, tout n'est pas lisse, tout n'est pas rose. Il y a des points fondamentaux sur lesquels on s'entend et il y a forcément une évolution des discussions pour faire en sorte que ce partenariat dure. Mais vous vous engagez dans des domaines qui relèvent de nos compétences et vous acceptez que l'État vient vous exiger des fermetures d'établissements, des gels de salaires. Et aujourd'hui, vous vous plaignez de l'attitude de l'État. Deuxième exemple où vous devez assumer vos responsabilités, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Je vais revenir au cas du CAPES. Et je suis désolée peut-être de vous le dire, vous allez peut-être l'apprendre aujourd'hui, et notamment à ma collègue Tamara. Tamara, quand est-ce que la décision d'affectation de nos CAPESiens stagiaires a été prise? Et où? Je vais te dire, elle a été prise le 13 juillet, à l'occasion du comité de suivi de la convention éducation, État pays, il y avait le haut-commissaire, il y avait le vice-recteur et il y avait notre ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation. Il était tout à fait au fait et il a validé cet accord. Ça a fait l'objet de négociations ce jour-là. Et sa réponse en sortant de là au CAPESiens stagiaires, c'est de dire « Miaman, j'ai réussi à sauver 19 postes, désolé pour les 22 qui restent, ou l'inverse, 22-19, il va falloir qu'ils partent. » Là aussi, nous avons notre part de responsabilité. Ça aussi, je voudrais qu'on le dise. Alors, peut-être que sur ce point-là, il faut être clair aussi auprès de la population. Arrêtez de tout mettre forcément sur le dos de l'État. Vous, au gouvernement, vous avez votre part de responsabilité dans ces conflits, précisément. Que ce soit le plan de redressement avec l'histoire du prêt AFD, que ce soit sur le problème des stagiaires capétiens. Ayez au moins, si vous voulez remettre à plat votre relation avec l'État, au moins l'honnêteté de reconnaître votre part de responsabilité. Moi, je suis un petit peu outrée de vous voir en permanence face peut-être à votre incapacité à gérer la situation, à renvoyer toujours les choses du côté de l'État. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les priorités sont ailleurs. C'est pour ça que la population en a un peu marre aussi de tous ces débats et qu'on le fait remonter au sein de cette Assemblée. La population a envie qu'on se batte pour autre chose.
Oui, peut-être. Mais hello. Non, moi, je ne vais pas arrêter, parce que c'est pour ça qu'on est là. Hello, Tamara, hello. Alors, je vous l'apprends peut-être, mais le pays a sa part de responsabilité dans ces dossiers-là. Alors, peut-être vous avez besoin d'en parler aujourd'hui, de cette manière-là, pour vous aider à réagir. Mais nous, on attend des résultats. C'est vous qui êtes dans la majorité. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Vice-président du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, fonction publique, les médias, ceux qui nous écoutent. Monsieur Tony Giros, vous nous disiez tantôt qu'avec la France, le pays n'avance pas. En Tahitien. Et ce que je vois, c'est qu'avec l'UPLD, le pays n'avance plus. Et ça m'inquiète beaucoup. Parce que votre idéologie d'indépendance a stoppé l'économie. Et tous les jours, des emplois sont détruits. Ce n'était pas non plus le sujet de parler de tout ça aujourd'hui. Alors, si nous sommes dans le cadre d'une discussion générale, allons-y, parlons de façon générale. Mais parlons alors de la situation ici. C'est de vision dont on a besoin, c'est de savoir où l'on va. Nous, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des élus qui prennent l'avion pour aller à l'étranger, pour savoir où il faut aller. Mais qu'est-ce que le forum peut faire pour que dans le budget de 2012, on donne des orientations à nos administrations ? Quand ici même, quand il s'agit d'aller participer à la restitution des travaux des assises, c'est à côté, hein ? Il n'y a pas besoin de payer des billets d'avion pour aller à la présidence de la Polynésie française qui se trouve à 100 mètres à pied de l'Assemblée de la Polynésie française. On ne peut pas aller. C'est un par groupe. Et quand il faut aller prendre des billets d'avion pour aller en Nouvelle-Zélande, ah non, c'est plus un par groupe, c'est 10 par groupe. Super. Et c'est quoi la réponse que vous nous ramenez ? Dans les journaux, c'est flop. Il faut partir à 10 pour entendre flop. Mieux. Dans les journaux, on profite d'être là-bas pour aller dans les salons du tourisme et s'offusquer de l'absence de la Polynésie au salon. Alors que le ministre en charge du tourisme est là-bas, on s'offusque de l'absence de la Polynésie au salon. Et c'est merveilleux. Effectivement, le pays n'avance plus, Monsieur Giros. C'est vous-même qui le dites. Parce que le travail n'est pas fait. C'est pas tout à fait fini, Monsieur le Président, si vous permettez. Et je serai court. Parce que si l'on veut aller quelque part, pour le moment, occupons-nous déjà de faire fonctionner le pays tel qu'il est, dans l'état dans lequel il est. Et à rêver d'indépendance, ce que l'on obtient, c'est de votre part des déclarations de guerre, avec forcément des ripostes. Mais dans quel état vous mettez le pays ? Vous croyez que la population, elle a besoin de guerre en ce moment ? Vous croyez vraiment que c'est de ça dont on a besoin ? D'une guerre ? Allez un peu expliquer à toutes les familles polynésiennes que l'école, on n'en a plus besoin. Donc franchement, revenez un petit peu aux fondamentaux de ce qui se passe ici.
intéressez-vous un peu à la situation dans laquelle nous sommes. Venez un peu participer aux invitations du président de l'Assemblée de la Polynésie française, qui demande à l'ensemble des représentants de mettre en place une formation. Où vous êtes dans le comité de pilotage, Monsieur le Président, je vous le demande, où sont les représentants du groupe UPLD à la mise en place de la formation des élus, de notamment la majorité? Ils ne sont pas là. Ils ne viennent pas. Alors de grâce, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, parlez-nous plutôt de formation pour que tout le monde soit un peu plus capable de faire ce dont il s'agit aujourd'hui, d'apporter des solutions en urgence. Créer de l'emploi, créer des logements, donner de l'espoir, faire en sorte que les crédits soient dépensés, faire en sorte que les investisseurs aient envie de rester. Vous-même, Monsieur Tony Giros, vous aviez reconnu qu'il fallait se doter des outils pour y arriver. Vous-même, quelque temps plus tard, vous empêchez ces outils de se réaliser. Où est la cohérence? No te tuatapa wara ai ei teiene opua a ture whenua, ini ei tatatou puta tute. E te, mo, e te whaterehau, wani me o e te teimono, matamua tia oera. E, maruru pre titini. E, promouro a teie opua a no te papai o ahau ti teitu au tatatou puta no te prao te maotute. E, wa tupu te e marora. Iro tō anei te rā irawa, iro tō anei te rā irawa. E te eke rawa ue te hinaro tō rā te teimua pupu poritae i a tauiwi hia, te mawhanohara i wheruri hia mai. E te wharine iau te i mawhanohara, no te mai wawhangini tō mai wau i tāu. Tēnei rā, ai te pai e tū a tīroa, rui te papai ai tū i whanohara. No te rea e wayani e, e vesori me bhati tei teime, whanua. E whararei wo, e tā. Ena, ena tāu e mō whanohara, e piti nea tāu tōtu mūpura, e tōtu tāu nuka tāu e ti mua e wo i au tau. Ha? Tera, ai tā, me papui au tēnei, e hā te pifi i tūhia mai, e i roto i te ia mawanira i e tau tau hio, me papu te ria, e nene te ria e tata i mai tei, no te mea wā whanohoto mai wau ti tei mō tata i rai roto i te whanohara, tēnei rā, iau i tei o mai te ria, te hare wa hautu i umua no te whaaforo mai te tātātou mō ohipa, i hate i e puta tute, i a whiwhi te mō whea, e inisio te mō whea, e rawai nei te hupa bōt mahana tāde tei. No te rewoi aniei, tanu pai e, no te mea te atoa, tātoa rā te mō whea mai ki, whea i mai ki hi te mai, te anine o mi pene ne whanu ahua. Te rea. Maruru mai tei, te anine i tō tātou whaterehau i a tātou, ia whanuhia te e nei tumupurau no te teiruru a e atu i tatatoruru a no te tuatapapara i tatatotapura fufa.
Pour que chacun comprenne bien, il s'agit d'un demande de retrait de l'ordre du jour de la session extraordinaire pour un examen en session budgétaire ordinaire. Et Merci, Monsieur le Président. J'ai voté favorablement au retrait de ce texte, en espérant que la nouvelle mouture va nous permettre de retirer tout ce qui concerne les sociétés en nom collectif, tout ce que vous avez prévu comme fiscalité supplémentaire pour les SNC. J'espère que c'est dans ce sens que vous retirez cette mouture et que vous avez l'intention d'alléger la pression fiscale que vous nous proposez à travers ce texte. Ça, c'est le premier point. Juste une petite information pour ma collègue Tamara Bob-Dupont. Tamara, moi aussi, je suis une femme de terrain comme toi. Et je vais te transmettre les statistiques de tous les rendez-vous que j'ai tenus et les dossiers que j'ai suivis. Comme ça, tu sauras. Et ça, ce n'est pas du chalala, c'est de l'action. Maruru. Maruru, te miro por la réponse. Maruru. Mono pretitini, votano o. Te whahoira i te ie tumuprau, i roto i te hauwhenua, e i a whiruri aho mai o tou i te rira tumuprau. E a man awau, ai te hiwa i te te teime, i roto i te hoe tau whiwhi hepo hepo mau, no te mau ho tau anei, no te mau whatu ohipa anei, no te harewa aho mai, e ha mau ahoi te teimo ha avira a in ei ratou, mo wha hepor a tia ore in ei ratou. Te whiwhi ia man auau, o tō tātou whātere hau Pierre Frebo, i te mea e, me tia turi e nāna tra mau wharani te mei nā whara ehi e maha tau e inspektor i ani, e haramai e naratoi papai te rāparau, e ho ma whaho i tui whrani, e mea noa i aua, e mea noa i oto. No te au tui titou aho e tera mungtate, e nara tu he haramai re hapi waho i oto, tera tō pea, te hare oura roara oto, tu mai e o hare o tueno, hare mua, hare muri, plantere de resma ho e ahuru. Tera non i eita mau whatura eita mau whenua, ho e ahuru. Pouro te mau, ai te otoe e whiruri mai te eira, ai te rawaira te wharereira, ai te tau a rāparau e te tai, e te tai. Ai ne otoe tītou mai a mātou, o hieroa te ohipa. Maria, o tāna oe, arawe te rāparau tā oe, a tāora tūra toi te pūbēr. Maruru. Maruru, Jean-Christophe, e mono anei tō oe, ai te mana oe. Arira, tō tātou aia, roro te a oera. Ai te, pere te tini maruru mai te. Whare mau i whātare o i te bebe ne. Ere, te ui mei roi tō mana ni te tumbrau pahono tō e awa. Aita o tanu hoa te tūrei ahura no te tuatapoko ahura te tumbrau no te mea e ne hoa te mea ohi. Nuri a maruru mei te no te tūrei ahura te tumbrau maruru. Maruru, te whātare hau, mana hopea i o te harika tō mua. Mana hopea te ie. Maruru tu mautia i whari te ie ia tua tapapapa ahoi e whanuhi e te tumbrau. Ara mai tei rā. Ka rōturu vō te mō mwanoi hua roahia mai. E piti mwanoi pāpū mai tei. Ti tei mwanoi tā sāntara tatara oi te rā whanau rā utara tute. Hai o mai e hatu muri mai. Te piti, tō tātou tō wha ai te wha e onei taui. Mano pai o nei te mau tute i tāna, te ture i tāna i pāpai mai piti a huruma te hiti, ere me ehui e tātā ai. O nā nā uisho ei tōna i te ahu e hata ehui pai tāna i pāpai. Tātu ehui pai rei tu pōra. Ere me ehui e. Ai tu e tia turi nā te pōpai hara me parau nā hei pāpai. Pāpū i au. E uira wau e hata i e notia ai tōna i hua atu te hia.
Alors, Monsieur le Président, tous les représentants dans leur dossier de séance, le relevé de la correspondance reçue par l'Assemblée, donc du 16 août 2011 et arrêté le 25 août 2011. Voilà, Monsieur le Président. Maruru maite, watata to eti hope au tata to rurur aite mea, wopau to motumu parau i tuhi amai muai to tato waro, i teie i amhana maha au no te tepa, i te hora hauruma hoi me iri peahrue ma maha miniti. Je prononce la clôture de notre session extraordinaire. Faitoito, tama maitai.